إخوتي إخوتاني مساء الخير، أهلا وسهلا. أطو فين يا زلمة؟ أطو 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 با بوجي يا علي، فازي فمونش
إخوتي إخوتاني مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. J'espère que vous allez bien. Moi je vais merveilleusement bien. Astaghfirullah, subhanallah wa ni'mal kawil. Tous les jours on a des nouvelles de notre cher et tendre pays. L'Algérie. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Barbie interdit en Algérie. Ou est-ce que le film a fait un tabac pour l'Arabie Saoudite? Rahou fahmou haja, ya rabkoum, rahou fahmou haja. Allez comprendre quelque chose. على بالك انا نتصادف انا اللي صادفوني لي زالجيريان فرانشمون لي فيو غارديان دو لورثودوكسي ريتروغراد اون ديسيدي دانتردير لو فيلم باربي هادي كاع عافاكم الجيري كومون سا سباس كاين حكم خبيث قتال راشي مرتشي بيسواوش هم الوحيد سيسون ريشير على ظهر الشعب وحاطين وزارة الوقف هذيك هي اللي تجري في الشعب سي كوم سا كو سا باس وشفناهم شفناهم هذاك علي اي عيا هذاك ولا مانيش عارف هذاك اللي طيح لنا ديريكت في الاخر Ça y est, tu restes. Tu... Vas-y, attends. Hop. Pardon, finis, pardon. Vas-y, dodo, fais dodo, comme ça. Voilà. Et déjà, là, qu'il y a la chahara, tu dis de bouger. Reste comme ça, finis, voilà. Arrête, amène le cara. Chauffe, 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 chauffe. Donc, les vieux gardiens de l'orthodoxie rétrograde, non. Ont décidé d'interdire le film Barbie. En revanche, en Arabie Saoudite, ce film « maudit » entre guillemets par les autorités algériennes enregistre des taux de fréquentation records. Les salles de cinéma عندهم في دولت موح أبو كيلوطا alias Rocco Siffredi les salles تاعهم كومبل ولادهم كاع يروحوا يشوفوا باربي على اسم الله ورسوله. Mais c'est à devenir dingue à dénarber. Ça vous fait rien, Thomas. Ma femme tient là qui va être chabada. J'ai rien compris, elle va être chabada. C'est clair, on a un direct direct, puis je me berde à l'bi. Oui. Mais on y voit, c'est ouais, l'orient. Non, mais scotch, mais scotch, bien. Oups, c'est mon bel ami, c'est. في ناس انت على بالي شغل الراشي والمرتشي شوف يخليني نهضر ونعطيك لي بونبون هاي راح هاكي شوف يا نعطيك لي بونبون ديسون ديسون هات 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 هاي ديسون ديسون فوالا شعب تعرفوه الجيري الجيري تعرفوه عطيلو الدرهم بركي يتكلم يتكلم ويقول لك على اسم الله ورسوله واش كاين وساها عمر بن الخطاب وساها علي بن ابو وسواس وساها عندما ذهبوا من مكه الى المدينه حتى ما تضروا اخذنا الرشوه كي وقتلنا بنو قريده وقتلنا عائله صافيه او هنا بين زمان بين الشد خلاص الافير كونكلي بينازا كل واحد يروح يشوف يمه درك او قلنا كل واحد يروح يشوف يمه بيناز خلينا نرجعوا المشاكل حتى فوالا الوغ دو دو بيناز في دو دو
Non, tu fais dodo. Tu fais dodo. Non, coucher. Coucher, punaise. Coucher, n'arfek. Coucher. Mais il n'y a pas les yeux doux. Coucher. C'est bien. Voilà. حبي كاين بزاف كلابه ما يحوسوا على ديريكت روحي عندك كونت ديرو ابو بينيس نو كوشي 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 بينيس نو يا با لي زيو كوم سا ني كوم سا كوشي نو 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 كوشي بينيس خلاص En revanche, en Arabie Saoudite, ce film maudit par les autorités algériennes enregistre des taux de fréquentation records. Dans ce pays régi par la sharia, shariat Allah wa rasulihi, il a pu sortir sur les écrans le 10 août et rencontre un vif succès dans un pays où le cinéma était longtemps considéré comme un péché. L'Algérie a retiré ses derniers... L'Algérie... One, two, three. Viva l'Algérie! L'Algérie a retiré ces derniers jours de ses cinémas le film Barbie, après une diffusion de plus de 2 semaines. La raison, selon les médias algériens, atteinte à la morale. Atteinte à la morale, Yarpak. Dessin animé. Dessin animé, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais en tous les cas, ce n'est pas normal qu'il retire un film. C'est un film. Un peu partout dans le monde, il passe dans les salles un peu partout dans le monde. Rien ou l'adn'a, barque, il ne faut pas échauffer. Mais ou l'adn'a, je boulons chez ou khahadouk. Quand ils sont à coût de millions de dollars, je suis dit, oui, il ou fait le Jazair. On a fini le. Hadak, le Mosri, hadak, le Hait al-Rabbi, hadak, le musulman, hadak, l'Ija, le Khansolo. هادوك يجيو هادوك الوغ كو هادوك هما لي كريمينال هادوك هما لي قعرو العقلية تاع ولادنا كو في ليطا عباد نهضر بينات نهضر جاوت قال لك تهضر تموت ما تهضرش تموت اما لا خليني نهضر ونموت اي موت Pourquoi tu descends, punaise? Allez, viens. Là, dès le Qassam, Kaye. Dimanche 13 août, les propriétaires de salles ont modifié les programmes en supprimant la réalisation de Greta Gerwig. Sans fournir de raison, le distributeur a aussi annoncé la déprogrammation du film sorti le 19 juillet en Algérie sans précision. Près de 48 heures après sa déprogrammation, le ministre de la Culture algérien qui annonce habituellement les interdictions de films en précisant les raisons est toujours silencieux. En Algérie, one, two, three, viva l'Algérie! Les autorités non seulement censurent et interdisent les productions étrangères, mais elles ne font rien pour encourager le cinéma national. Si les salles sombres se font rares, les productions cinématographiques nationales le sont tout autant. Le temps de l'âge d'or des années 1970-1980 est bien révolu. Au moment où le monde est un village et où la culture circule à la vitesse de la lumière, les procureurs de la conscience ont pris le pouvoir en Algérie pour dicter ce qui est bon pour les Algériens et ce qui est illicite. Sous le régime du duo Tebboune-Chengriha, l'Algérie creuse chaque jour un retard particulièrement affligeant, voire dangereux, pour l'avenir du pays. N'alat Allah al-jahl. N'alat Allah al-jahl. Wa n'alat Allah al-jahl.
Les rencontres culturelles, lesquelles tu as en Algérie, les cafés-théâtres, tout ce qui était culturel, les écrivains, les sociologues, donc Kamel Kanouyan en Algérie. Ils étaient invités, surtout en Kabylie. Il y avait en Oranie aussi, Kentani, Pleiste, Batna, Constantine. Tout ça, c'est interdit. Tout ça, ma cage. Il n'y a plus, Arab comme. C'est essentiel de les manifestations culturelles. Pour tout pays. Tous les pays, ils ont une culture. سيرة دايرة وشكون يهضر عليها؟ المثقفين اللي يكتبوا كتابات لي سوسيولوج لي بسيكولوج جو سي با لي دكتور كل واحد وين اي دونك دونك رانا في كاتاستروف يا الخوا مي جو جور سي فري سي هالوسينون وهذا الفيلم هذا وشنو سي كوا؟ C'est un film pornographique ou non? Pourquoi interdire un film? Il y a juste un film. Donc, les colonnes, ils ont tout faux. Parce qu'il y a juste un film. Il y a un film. Mais il y a l'islam, il y a l'Algérie, il y a l'islam, il y a les musulmans. هذه العقل ما يتقبلهاش. هل هم عرب أكثر من العرب تاع السعودية؟ هذه ثاني العقل ما يتقبلهاش. وشنو دين رب الفهامة هذه اللي راهي عندنا درك؟ كيس كي سباس الجيري؟ مي كيس كي سباس؟ وش راه صاير دين ربي؟ اسكو فو فو روندي كون دو لا جرافيتي دو لا سيتواسيون؟ اسكو فو فو روندي كون دو لا بروتيسمون اللي رانا فيه؟ إن سون توس ريسبونسابل. هاد الولاد هادو اللي راهم قاطعين البحر هادو ديتريمون دو لا في هادو. 13 ans, يا ربك. والله غير كاين 13 ans, je vous assure. 13 سنة. حكم البوطي. ما عندوش كاع سنين يا ربك ديجا. قال كرهت من البلاد هذه كرهت كرهت. 13 ans هذا وش شاف هذا؟ كيس كي لا فو بور بونسي كوم سا. Alors, وش سموه هذاك البتي باتلان هذاك اللي قدام تبسه الشريعة وش سموه هذاك وش سموه في قدام تبسه واش كاين الشريعة ولا نو سي با فريحة الشريعة كاين شريعة البلاد تاع أنور هدام ماشي أنور هدام أنور مالك أنور مالك انور مالك هذاك لاكتيفيست هذاك لاكتيفيست مع السعوديه مع السعوديه مع الامريكان ومع مخلطها مخلطها هذاك هذاك وين كاين الفلوس يجي يهضر اسلاميست على كل حال اسلاميست سي ان اسلاميست سي ان اسلاميست كون نو فوا با في المغاربيه سي سي إلي ديفيسيل ا سيرني سو ميك نو سي با نور هدام نور مالك نور مالك راس البطيخة هذاك يكون نور مالك ايه نور مالك الو C'est un islamiste. Je suis le frère musulman. Il allez, tout comme ambigu on a chaque fois on a un rebond direct. À chaque fois que يعني c'est un technologie comme ça. Alors, Adam. Et bien, Adam, la famille Tao. راحوا لخوه الكبير 23 زون دو سيرفيس في الدرك الوطني خوه واحد اخر 18 زون دو سيرفيس في الدرك الوطني في زوج حوزوهم على جالو
وراحوا لباباه 90 سنة يماردين فيهم تاهم من الدار من ديارهم. اسكو سا صافي سا دوك هذا عندكم مشكل معاه وخاوتو باباه وشنو هاد لي زاجيريان تلو سا نورمال و باس لي سي بير يلقاوها Faut pas se laisser faire. Hé, hey, tu descends, tu montes, tu vas là-bas, tu descends, tu montes, tu prends une place, hein. Je veux bien, mais je veux que tu ما تلقوا حتى واحدة pour les autorités algériennes il y a plus subversif qu'une opinion politique c'est le courage rien ne les fait ne les fait ne leur fait autant peur Mira Mqnach est pour eux une grande subversive elle est arrêtée mise en garde à vue pour délit de courage. À notre arrivée en Algérie et notre naïve croyance d'élargir la brèche ouverte par les manifestations populaires, beaucoup de juges et de policiers nous avaient parlé. Ils ont été muselés et dans l'obligation de suivre les instructions du régime politique. Ils nous avaient affirmé que ce n'était pas leur opinion profonde et qu'ils regrettaient leurs actions. Alors, tout le monde, il y a les juges, ou il y a les policiers, ou il y a Hadou Kamel. اللي تجيو ماشي لافوت تاعي واش علي نخربك الحبس انا شنو نطوط تيريك مسح ماشي لافوت تاعي يا خويا ماشي انت من فوق اين عدينا الراس تاع دين ما عندكمش ذره 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 تاع رجوليه ريان قلنا تكون دي طافيه ولا دين ربي تاع جوج انت تاع جوج Ils nous avaient affirmé que ce n'était pas leur opinion profonde et qu'ils regrettaient leurs actions. Il fallait nourrir la famille, impossible de se mettre en danger en prenant une liberté de juger et agir policièrement dans le cadre d'un droit républicain et démocratique. Nous n'étions pas dupes, d'une manière générale, mais il était impossible, dans un massif projet de démocratie, de mettre la population dans un état de honte et de repentance. Il fallait aller de l'avant. Et profiter de l'expérience de chacun. Car au-delà de la lâcheté de leurs actes, il y a les lâches. Ils avaient tout de même une certaine compétence que nous trouvions indispensable si elle était prise au service du droit et de la légitime force de sécurité judiciaire. Dès le retour de la répression, tout azimut, ces individus sont retournés à la besogne indigne. Chasser le naturel, il revient au galop. Dit l'expression populaire. Et nous avions constaté qu'ils pouvaient retourner leur veste aussi rapidement qu'ils l'avaient retournée auparavant. Rhus, des lâches ou rhus. Leur ADN n'est pas tant la jouissance de faire du mal, quoique... Pour beaucoup, il est certain que ce soit le cas, mais de préserver leurs intérêts personnels. La démocratie ne peut leur garantir le niveau de privilège qu'ils ont en suivant les ordres, ou du moins faudrait-il qu'ils les persuadent de sa prise certaine de pouvoir.
Ils n'ont jamais pris le moindre risque. Ces gens n'ont d'intérêt qu'avec le pouvoir en tant que contrôle de la stabilité, garante de leur corruption, que pour ses vertus. Les dictateurs ont l'habitude de réprimer le clandestin et l'occulte, et même l'inventer pour susciter la crainte de la population et les amener à son adhésion, par la certitude de leur protection. Ils ont l'habitude du regard de terreur, du repli frileux, de la flagornerie et de la compromission. Ce qui leur fait le plus peur est le regard en face, celui du courage. Ils sont alors obligés de sortir la grosse artillerie dont la police et les juges sont les vecteurs. Mira Moknesh et de ceux qui les perturbent et les fait sortir de leur certitude de maîtriser et accroître la crainte citoyenne. Men khafouch men din rabkom, yal qattalin, yal munbatrin, yal rkhas, yal les lâches, les hakmin, al-Jazair. Je fais toujours référence à ce que nous disent les spécialistes scientifiques des animaux sauvages. Ne jamais montrer sa crainte et fuir devant un groupe de lions. Il y voit la réaction habituelle des proies. Avancer vers eux, le regard et le pas assurés les fait souvent fuir. En tout cas, reculer un instant, car ils n'ont pas l'habitude de voir ce comportement. Ils n'ont pas de prédateurs naturels. Mira Moknesh est de ces courageuses et courageux. Elle apprend une meute de loups droit dans les yeux, sans crainte ni fuite. Ils se sentent menacés par ce comportement. J'ai assez écrit dans la presse combien une opération comme le Hirak n'avait au contraire aucune chance de les déstabiliser, car nous étions beaucoup plus proches d'un spectacle bruyant que d'une menace réelle. Le délit de courage. Voilà l'ennemi des dictateurs. Mira est dans cette veine des grands militants de la liberté. Boumedine Sid Lakhdar, enseignant retraité, que je remercie pour ce billet sur cette héroïne qui ne lâche pas l'affaire. Mira Mouknesh. Voilà. Voilà en gros. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. À vous la parole, mesdames et messieurs. Starpoula. 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 سبحان الله ونعم الكويل باربي في مكة المكرمة راهي طوب سير داير على مكة المكرمة أقسم بالله بيناز مثلا أني نقول لك بيناز هكا راني نخرج وراهي ممنوعة في لي صال دو سينما ونشيري باربي باربي وكان وقيلا هذاك وشنو خليني نهضر في ناس خليني نبرد خليني نهضر على بالك من شنو وشنو كاسكيا فينا لا تعت ات يا طن بينيز regarde tu me gênes va faire le direct avec les chiens et plein de chiens qui attendent je te jure Elsa aux États-Unis. Elsa. Elle attend, elle est sur son truc, elle attend. Elle a dit peut-être punaise, elle va faire un direct. Peut-être. Va faire un direct. Attends.
Attends voir. Alors, il faut enlever ça. Vous. Ah, Arjo, Arjo. Ouais, salut Mourad. Tu vas bien? Salut Gilou, comment vas-tu? Salut, ça va? Tu m'as l'air un peu fatigué, hein? Non, 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 pas du tout. Ah, J'ai d'accord. pas mon micro qui est bien mis, donc je Ah, t'entends voilà. pas très bien. Vas-y, mais. Haut-parleur. Voilà, là c'est bien. Là c'est très bien. Comment vas-tu? Ça va, t'es en forme? Ouais, la forme est toujours là. Bon, bah écoute. C'est quoi le bruit? Toujours D. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ouais, vas-y. Il y a du bruit, tu fais du bruit. Ah non, là, il n'y a pas de bruit, là. Là, il n'y en a plus. Y a un bruit? Attends, Voilà. Je sais Ok. pas, il y a un truc qui. Là, c'est mieux? On n'entend plus. Ouais, vas-y. On t'écoute, Morad. Bon, Azul Flaoun, Azul à tout le monde. Voilà, on a eu un petit débat hier. Très sympathique avec tout le monde sur Hadarwash Habib. Je voulais poursuivre un peu dans la même veine pour vraiment expliquer. Bon, je m'adresse un peu à tout le monde, mais je m'adresse aux Kabyles particulièrement. Que voilà, donc moi je suis un militant indépendantiste du MAC, et le MAC c'est juste un outil qui propose. Ce choix au Kabyle, ce choix de liberté. Il s'adresse à chaque Kabyle, il s'adresse à chaque Kabyle en tant que personne responsable. Et il lui propose un choix. Il lui donne la possibilité de pouvoir choisir, donc au travers d'un référendum, le choix de l'avenir du monde Kabyle, du choix pour nos enfants, pour les générations à venir. Bien sûr, on a un héritage historique qui est là, qui est notre Kabylité, et le MAC, c'est juste un outil qui nous propose, qui s'adresse à chaque Kabyle de manière responsable et lui propose un choix, de faire un choix responsable. Aujourd'hui, bien sûr, vous me direz, c'est facile de rejeter l'Algérie. Oui, l'Algérie est dans un état catastrophique, mais voilà. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce choix, il faut qu'il soit fait par chaque Kabyle, et chaque Kabyle a la responsabilité aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir cet outil qui est le MAC, qui nous permet de décider de notre avenir. Si chaque Kabyle décide d'adhérer ou de soutenir les idées indépendantistes, on va forcément y arriver. Bien sûr, il y a des choix, il y a des choix à faire, il y a des stratégies à suivre pour effectivement éviter quelques bains de sang qui existent, qui puissent arriver. C'est déjà arrivé dans des pays qui se sont séparés sans qu'il y ait de bains de sang, et c'est vers là qu'on essaye de se diriger. Ce qui est important, c'est que le MAC, c'est l'outil qui offre à chaque Kabyle un choix. Alors, vous entendrez tous les jours des gens qui disent oui, tel mec est pas gentil dans le MAC, il nous a insultés, tel mec il a fait ci, tel individu a fait ça, tel militant a fait ça, tel sympathisant. Ça ne nous intéresse pas. Les gens du MAC, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des gens tordus, il y a des gens sympathiques. C'est un mouvement comme un autre dans lequel on peut tout trouver. Et en plus, avec toute la propagande, etc., on essaye de salir les gens. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, ce sont les idées et la force de conviction, c'est-à-dire que comment on va décider notre avenir. Nous, en tant que peuple kabyle, il faut qu'on décide notre avenir. Là, on est dans un état catastrophique avec cette Algérie. Les gens veulent se sauver, nos forêts sont brûlées, l'avenir de nos enfants. Voilà, on est sous une colonisation, parce que le critère numéro un d'une colonisation, c'est quand vous mettez vos enfants à l'école, et qu'ils ne parlent pas leur langue. Donc là, ça veut dire que vous êtes sous colonisation. Dans l'école, vous mettez votre enfant dans l'école, il ne parle pas sa langue maternelle, ça veut dire que tu es en sous colonisation. Donc pour moi, l'Algérie colonise la Kabylie. Et pour ça,
Il faut sortir de cet état de cette situation pour avancer vers autre chose. Donc moi, je m'adresse surtout aux derniers Kabyles qui croient encore en l'Algérie. Il y en a qui ont des intérêts, il y en a qui le cachent, qui essayent qui essayent de se mentir. Mais tout le monde aujourd'hui, même on regarde, même dans la résistance, parce que bien sûr on a reçu, les indépendantistes ont reçu des coups, même tous les Kabyles ont reçu des coups par l'Algérie. Tout le monde a peur. Les gens ont peur de sortir. Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas sortir d'Algérie. Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas retourner en Kabylie. Il y a 500 prisonniers d'opinion, politiques et d'opinion. Vous regardez sur le site CNDL, ce n'est pas que nous qui le disons, nous les indépendantistes qui le disons, mais c'est tout le monde qui le dit, c'est officiel. Nous sommes vraiment sous une colonisation. Ce n'est pas possible de vivre comme ça longtemps, sous cet effet de la peur. Donc, il faut un moment, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se tous qu'on se libère, qu'on trouve un moyen de sortir de cet enfer dans lequel nous enferme l'Algérie. Voilà, moi, c'est surtout là-dessus que je voulais revenir. Voilà, l'idée d'indépendantisme, ce n'est pas une idée, c'est une idée révolutionnaire, c'est une idée pour les Kabyles qui est naturel, parce que on ne peut pas aujourd'hui être algérien. Pour un Kabyle, il ne peut pas être algérien. C'est pas normal. Tu peux être, te considérer comme Kabyle et te dire appartenir à un État qui est un État arabe, qui appartient à la conférence islamique, qui appartient à qui est dans la Ligue arabe, etc., etc. C'est pas possible. Soit on est algérien, soit on est Kabyle. On ne peut pas être les deux. C'est pas possible. Ou alors on se nie, ou alors on se torture. On se nie et on s'efface. Bon, on n'est pas sur Terre pour s'effacer. Il faut être ce qu'on est. On est né Kabyle. Voilà, on vit Kabyle. On n'a pas à avoir honte avec ces choses positives, ces choses négatives. Et entre les Kabyles, qui pour la plupart, je pense, refusent cet état de fait qu'on leur impose, on leur impose d'être ce qu'ils ne sont pas. Les Kabyles ne sont pas des Arabes, c'est comme ça. Ce ne sont pas des Suédois non plus, ce ne sont pas des Zimbabwéens non plus. Ce sont des Kabyles. C'est bien, c'est pas bien. On n'aime pas, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont ni. Voilà, on n'a pas à leur imposer d'être ce qu'ils ne sont pas. Mais toi, Déjà, tu d'une parles part. uniquement des Kabyles, mais moi, tout ce que tu dis, Moi, je veux pas. Moi, je moi, respecte tous les attends, autres. Je oui, respecte tous les ça, autres. Je veux pas de parler. Je ne veux pas oui, prendre des décisions concernant les autres, je respecte tout le monde. mais je Si suis je finis d'accord juste avec sur les toi, Kabyles, Djilou, si tu permets. Non, 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 je parle aussi aux Algériens. Je vais m'adresser aux Algériens dans leur ensemble. Mais ce qui se passe sur les Kabyles, même vis-à-vis de la religion, par exemple, on est tolérant. Moi, dans mon village, il y a une église. Bon, elle vient d'être fermée. Sur la place principale, il y a le nom d'un père blanc, par exemple. Ce n'est pas gênant, c'est un père blanc qui avait été apprécié par les gens, machin. Il y a le nom d'une sœur blanche aussi qui a été appréciée. Elle est collée sur la place. Bon, on est tolérant, on est ouvert sur le. Par exemple, l'un des dictons, l'un des aphorismes les plus forts, c'est Kabyle, hein, qui a été dit par un religieux, Cheikh Al Haddad, c'est un cheikh, donc un religieux, il disait l'asl is where din, c'est-à-dire que l'asl c'est voilà, l'asl c'est plus au sens de la culture, de la kabylité, is where din, c'est-à-dire que c'est pas avant le religieux. Ensuite, il dit ardim is where tazalith, donc le travail prime sur la prière. Ensuite, il rajoute un truc, le dernière partie de l'aphorisme, c'est où il dit Taqbaylit, Tzouer, Taaraf, Taqbaylit. C'est-à-dire que votre kabylité passe et est supérieure à l'arabité et au français. Voilà. Mais ce qui est important, c'est les deux premiers trucs.
les deux premiers trucs. Bon, le dernier, il est un peu chauvin, nationaliste, on peut critiquer, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut penser le contraire, pas de souci. Un Français pensera que non, le français c'est mieux que le Kabyle. Un Arabe pensera que l'Arabe c'est mieux que le Kabyle. Le Kabyle pense que le Kabyle c'est mieux que les autres. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est les deux premières strophes où il dit c'est-à-dire que ton origine et ta tribu, ton appartenance passe avant le religieux, avant le fait religieux. Ta culture, quelque part, est supérieure au fait religieux. Et ensuite, il dit, le travail passe avant la prière. Et ça, c'est un religieux qui te le dit. C'est un religieux qui te le dit. Je pense qu'aujourd'hui, le pape ne te le dira pas, en Occident. Le pape ne te dira pas que la culture passe avant Dieu, avant le fait religieux. Là, c'est un chir, c'est un mec qui prie tous les jours, chir Ahdad, enfin, je ne connais pas sa vie dans le détail, mais c'est censé être un mec religieux qui te dit. Donc, bref, c'est juste pour illustrer l'esprit d'ouverture, disons, même de la tradition religieuse ou de la tradition spirituelle dans le monde kabyle. Donc cette tradition d'ouverture et de spiritualité, ou de spiritualité ouverte avec sur d'autres religions, en plus le Jemaa l'Iman, etc., dont on a beaucoup parlé, voilà, fait de la Kabylie une population différente. C'est bien, c'est pas bien. C'est Comment bien, c'est pas compte? bien, c'est pas un débat, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est différent. Et cette différence-là, elle doit pouvoir exister et la laisser exister. Donc ce peuple kabyle qui est enfermé, qui est emprisonné dans cette Algérie, c'est plus possible. Il faut le laisser s'épanouir, créer son État, créer sa nation. Et en plus, le MAC, ce qu'il propose, il propose un choix. Il n'impose pas un choix. Il ne va pas aller dire c'est l'indépendance, sinon on explose tout. Non. Il dit on va faire un vote. Et les Kabyles choisiront. S'ils veulent choisir l'arabo-islamisme, ils pourront choisir Oui, mais l'arabo-islamisme. c'est insensé, hein, le vote. Là, je n'arrive pas à comprendre. Qui va organiser ce vote? Qui? C'est l'État algérien. Alors, arrête. Qui Ben, c'est va pas... organiser le vote? Bien sûr, on va s'organiser. La société civile kabyle, le MAC, les indépendantistes, du côté algérien, il faut qu'on trouve des interlocuteurs, il faut qu'on trouve des interlocuteurs dans la société civile, chez les autorités, avec des observateurs internationaux. Ça se passe toujours comme ça. C'est pas, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il y a eu des États qui se sont séparés comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive. On va pas réinventer la poudre. Il y en a où ça s'est bien passé, il y en a où ça s'est mal passé. Il y a le Soudan, Sud-Soudan, c'est très récent. C'est nos voisins, ils sont quelques centaines de kilomètres de chez nous. Ils se sont séparés. L'Érythrée, l'Éthiopie, c'est un peu plus vieux, ils se sont séparés. Alors, Sud-Soudan, ça a été sponsorisé par l'Algérie. Hein. La séparation Sud-Soudan, ça a été sponsorisé par l'Algérie. Timor-Oriental, l'Indonésie, pareil, sont séparés et ça a été sponsorisé aussi par l'Algérie. L'Algérie a favorisé la séparation du Timor-Oriental je me demande même s'ils n'étaient pas observateurs. Avec l'Indonésie, donc un grand pays musulman, le plus grand pays musulman, je crois. Ils avaient ce Timor-Oriental qui s'est séparé, taf taf, machin, très bien. Et voilà, on n'invente rien. Ça s'est produit des centaines de fois, plus proche voilà, Serbie, Monténégro. C'est pareil. C'est dans les Moi, années 2000. quand tu me donnes des exemples, là, derrière, moi, je te suis plus. Hein. Je Pourquoi tu t'assure. me suis pas? Parce que tu sais méconnaître la mentalité qui est en Algérie actuellement. Ça, c'est. Non, mais
il faut leur l'imposer, si tous les Mais quatre qui ministres. va imposer? Qui? Oui, le pouvoir n'aura pas le choix. La force, comment elle va être, elle va Bonsoir, leur être Thierry. imposée, c'est que chaque Kabyle voudra ça, le fera savoir, et à un moment donné, les autorités se mettront à table, forcément. On a reçu Liam. Liam, bonsoir. Liam, bonsoir. En fait, je crois qu'il doit y avoir un petit souci, c'est Nora. On t'entend. Vous m'entendez? Oui. Merci. Mais je voulais déjà dire bonsoir à tout le monde. Hein. Et je voulais juste, en fait, avoir une ou deux petites questions pour Mourad, parce que en tant que Kabyle, aussi, j'ai écouté l'émission d'hier. Et j'ai entendu que Karim, ou Akarim, avait spécifié que 90% des Kabyles seraient prêts à voter pour le MAC. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec le chiffre, mais je ne sais pas d'où il le sort. Mais le souci est le suivant. Moi, je pense que, comme vous dites, c'est vrai que toute organisation, toute parti politique, tout le monde a le droit d'exister, de coexister dans un pays libre et démocratique et d'avoir leurs opinions. On peut être communiste, on peut être affranchi et autonome. Maintenant, moi, les petites questions que, enfin, les grands soucis quand on ramène, par exemple, les Catalans. Et une des raisons pourquoi la Catalogne, l'Espagne refuse toujours l'autodétermination, c'est qu'il faut penser aussi économiquement, est-ce que la partie du pays qui veut s'émanciper ou s'autodéterminer, est-ce qu'elle est viable économiquement? Maintenant, on sait que la Catalogne, c'est une des régions qui, franchement, est une des plus riches de l'Espagne. Donc, c'est aussi une grande raison pourquoi Puigdemont n'a pas jamais de succès et peut-être que la Catalogne ne sera jamais indépendante. Maintenant, on nous donne des grandes lignes. Moi, je respecte les opinions de Mourad, mais en même temps, quand on veut avoir un projet comme ça, il faut que ce soit quelque chose de solide. Il faut aussi tracer des grandes lignes. Moi, en tant que Kabyle berbère qui vient de la Kabylie des environs de Tizi Ouzou, moi, perso, je suis Mac dans le sens où je suis d'accord qu'ils existent, mais pour moi, la Kabylie, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est la Kabylie. Hein. Pour moi, enfin, le peu que on nous fait entendre des personnalités qui ont combattu pour l'indépendance, quand on prend la personne la plus politisée, je crois que c'est Abanamban, c'est vraiment. C'est l'architecte de je pense, de la révolution. C'était malheureusement assassiné au Maroc par, vous savez, on connaît tout, par qui. Moi, je pense que lui, moi, je le suis dans le sens où il dit la primauté du politique sur le militaire. Mais je ne pense pas que sa vision, c'était que l'Algérie. Soit en tant que Kabyle, pour lui, l'Algérie, il se battait pour la Kabylie. Je pense qu'il se battait pour le pays entier, pour libérer le pays. Comme il dit souvent, on a libéré la terre, mais on n'a pas libéré les hommes. Je pense que c'était pendant la Révolution, il y avait différentes villes, il y avait des oulas, toute personne était affectée dans une wilaya. Et je pense que beaucoup de gens parlent aussi d'Abanamban. Ils avaient un idéal, je pense, pour la liberté de l'Algérie démocratique. Je pense que des gens comme Zabana, un des premiers à avoir été décapité, d'ailleurs, par François Mitterrand, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Et je pense que quand on réfléchit un peu comme ça, moi, je suis attachée à l'Algérie
unis. Pour moi, ma berbérité se voit à travers les gens des Aurès, à travers Oran. Moi, quand j'écoute Kamel Daoud, bon, il y a des petits trucs avec qui je ne suis pas, mais moi, Kamel Daoud, je pense que c'est un Algérien. Il y a des choses chez lui. Quand j'écoute Boualem Sansal, quand on lit la littérature de Boualem Sansal, je suis avec lui, Kateb Yassine, enfin, on en passe. Moi, je ne pense pas que, pour moi, encore une fois, pour moi perso, je ne pense pas que 90% des Kabyles vont être derrière le MAC. D'ailleurs, ça se voit très bien quand il y avait des manifestations en France que je regardais ici, moi, des États-Unis. Je voyais quand c'était le MAC, il y avait une grande, il y avait une différence, quoi. Maintenant, qui se font insulter, tout ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'ils sont libres d'exposer leurs idées, de débattre. On peut tous débattre. Peacefully, en paix et aussi être constructif. Maintenant, parler au nom de la Kabylie, au nom des Kabyles, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut parler au nom du mouvement dans lequel on veut militer, mais de parler au nom de la Kabylie, je ne suis pas trop sûre. Et encore une fois, peut-être que j'ai tort, mais les 90% que Karim avait dit hier, je me suis dit, waouh, je ne sais pas où ils vont chercher ce nom. Mais avant tout ça, avant même de chercher la Kabylité de la Kabylie, essayons déjà de stabiliser un pays, essayons d'arracher la liberté, la démocratie. Ça s'arrache, ça ne se donne pas. Et moi, je crois que là, après, s'il y a une autodétermination, dans l'algérianité, dans une Algérie démocratique comment dirais-je, émancipée, civilisée, open, ouverte au monde, comme vous avez dit, Gilou, vous vous rendez compte, Barbie. Moi, j'ai lu ce matin des articles, on dit Barbie, le film, il a été projeté pendant 3 semaines. Après, on le retire en catimini des salles, enfin, il n'y en a pas tellement beaucoup des salles, je crois que c'est dans les grands malls là, du côté de Cheraga, je pense, il a été en catimini, enlevé. Mais par contre, l'écrivain égyptien que j'ai lu, un écrivain égyptien qui a fait une narrative sur Mein Kampf, par contre, ce livre en Algérie, il n'est pas censuré. Et moi, j'ai aimé l'analogie entre les deux, parce que dans ce livre, on trouve Klaus Barbie, et on a dit, bon, ce Barbie, hein, le Barbie nazi, il n'est pas interdit en Algérie, mais par contre, la poupée Barbie et sa véhicule, moi j'ai été voir le film, je vois vraiment pas du tout, je suis pas super intriguée par le film, c'est un film commercial maintenant qu'il a un grand succès, mais moi je pense que l'Algérie, enfin le gouvernement algérien et les Algériens rentrent pour la plupart, rentrent dans ce chemin, c'est l'infantilisation de la société. Moi, je ne pense pas que le gouvernement est là pour vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Votre médecin, il est bon pour vous dire vous avez une toux, il faut prendre ce sirop. Vous avez un lumbago, il faut mettre des compresses chaudes. Votre dentiste, mais votre gouvernement, il est pas là pour vous dire à tout un pays qu'est-ce que vous devez regarder. S'il y a des allusions à LGBTQ, au transgenre et tout ça. Et aussi, à une époque où les réseaux sociaux font quand même assez rage, moi je pense qu'en Algérie, les réseaux sociaux, presque tout le monde a un téléphone, je pense que quand même, les gens sont capables de se faire des idées pour eux-mêmes. Avec ce gouvernement, on va penser peut-être qu'il n'y a pas de gens qui sont transgenres en Algérie, il n'y a pas de gays, il n'y a pas de lesbiennes, il n'y a pas de prostituées. Ben non, on n'a rien de tout ça en Algérie. Hein. À écouter ce gouvernement, mais il n'y a absolument rien de tout ça. Alors qu'en fait, oui, sûrement, on a des gens qui sont gays, on a des lesbiennes, on a des gays, on a des gens qui sont transgenres, qui sont mal dans leur peau peut-être, qui se pensent plus féminins que masculins et tout ça. Mais on n'est pas encore prêt, même pour les gens dans leur tête, leur culture, elle est tellement restreinte. Et je ne parle pas, encore une fois, au nom de tout le peuple algérien, mais il y a une grande partie du peuple algérien qui vit encore
je sais pas, dans le Dark Ages, pour eux, ils arrivent même pas à penser que les militaires, c'est pas le peuple qui doit être là pour les militaires, c'est les militaires qui doivent être là pour le peuple. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on parle de militaires, on parle d'eux comme quoi on doit les protéger, mais c'est l'inverse. Donc, on n'a pas encore passé le cap de ce d'enlever nos chaînes par rapport au gouvernement qui est militaire. Hein, c'est vraiment une façade avec un président fantoche. Alors, ramener des gens à même comprendre, il y a même des gens qui ont été voir Barbie, je suis sûre, qui n'ont même pas compris le message. Pour eux, c'est Barbie, c'est tout est rose. Je ne sais même pas. Maintenant, le gouvernement l'enlève en catimini, alors qu'en fait, comme tu as dit, Gilou, il est en Arabie Saoudite, il est sûrement dans d'autres pays. Je pense que je ne sais pas vraiment comment dire l'idée qu'il y a derrière ça. Pour moi, c'est juste de l'infantilisation. Alors qu'en fait, il y a des films qui sont super violents et qu'on ne dit même pas que c'est pour les moins de 12 ans, les moins de 16 ans. Que ça peut offenser certaines âmes sensibles. Par contre, on ne vous met pas tout ça. Hein. Vous pouvez prendre votre gamin pour aller voir un truc. Je sais pas qu'ils ont. Je ne pense pas qu'ils ont des sections. Mais par contre, on va vous dire, ben voilà, on va enlever Barbie. Et c'est la ministre de la Culture qui on a écouté son débat de s'ouvrir, d'ouvrir le pays, d'envoyer le plus d'Algériens au festival à travers le monde pour s'émanciper. Comment on veut ouvrir un pays au festival du monde entier alors que, en fait, chez nous, on pratique des censures et elle n'est pas là pour expliquer la raison. Comme j'ai dit, c'était juste enlevé en catimini, tout doucement. Mais il y a plein de choses comme ça. Mais je pense que les Algériens, je ne sais pas, il y a une anesthésie. Je ne vois pas vraiment, les partis politiques sont vraiment à 100 000 lieues. Alors comme moi, j'écoute le truc sur le Mac, je crois que les gens, ils ont tellement de problèmes que le Mac, pour eux, c'est encore à 20 lieues sous les mers. Mais quand on voit des choses comme, par exemple, on entend qu'il y a des plages maintenant qui sont... privatisé par des gens, juste comme ça, ça vient, la plage elle est fermée, tu dois juste mettre un burkini, tu peux pas aller à la plage si t'as pas mis un burkini. Moi je me dis, il est où le gouvernement? Les plages elles appartiennent au peuple, la terre algérienne appartient à tout le peuple, mais ça n'a pas l'air de choquer tant de gens que ça. Je vois pas, je regarde dans les réseaux, j'ai pas vu les gens qui sont animés par cette chose qui s'appelle la démocratie, qui s'appelle la liberté de conscience, la liberté de penser. Alors, quand vous savez, quand vous mettez le Mac, moi, je ne sais pas, je crois que c'est au numéro, je sais pas, 195 sur la liste. Maintenant, merci, Liam, pour si tu permets, on va te répondre, parce que, voilà, je ne comprends pas. C'est le lien. En fait, j'ai utilisé le lien. C'est l'email. C'est l'email que mon fils il a mis, en fait. Moi, je m'appelle Nora. Liam, c'est mon fils. Nora. Ah, d'accord. Autant pour moi, Nora. Pas de souci. Yeah. Thank you for. C'est-à-dire que nous, enfin, je veux dire, c'est très intéressant ce que tu dis sur le woke, le LGBT, le cinéma, etc. Enfin, nous, on n'est pas du tout dans cette situation. Aujourd'hui, la Kabylie a été brûlée par les militaires algériens en 2021. On n'a pas de preuves pour ça, Mourad. Tu ne m'interromps pas, s'il te plaît. J'ai été très, très agréable. Je ne t'ai pas interrompu. Non, Merci, Nora. Ça s'appelle, non, non, mais Mourad, ça ne s'appelle pas interrompre. C'est une interjection. Ça s'appelle parler à bâton rompu. C'est-à-dire qu'on a une conversation, pas moi un monologue et oui. Vous ensuite un monologue. Oui, oui, mais si vous voulez qu'on soit juste un monologue, alors faisons un monologue. Non, laisse-le le développer et après vous pouvez faire un dialogue. Laisse-le maintenant. Tu as eu droit à peut-être 10 minutes. Désolé. Donc voilà, vas-y Mourad. Oui, c'est-à-dire que je pense que de manière générale, tous les gens qui habitent ce territoire, que ce soit les Kabyles ou les Algériens, ils en ont un petit peu marre du constat. Donc, quand tu revenais sur Kerim Belkacem, qui a été assassiné à Francfort, entre parenthèses,
non pas au Maroc, mais c'est pas grave. Non, je parlais de Aben Ramdan qui a été assassiné au Maroc. D'accord. Aben Ramdan a été assassiné au Maroc, oui, tout à fait. Mais peu importe. Krim Belkacem faisait déjà ses discours en Kabyle, même à Alger. On en est arrivé à un point où les gens ne peuvent... C'est-à-dire que les constats de Burkini, de plage, de problèmes, de machin, non. Les gens ont peur. Moi, je m'adresse... Je ne suis plus à ce stade où je constate des problèmes dans un pays. Aujourd'hui, nous, les indépendantistes kabyles, les souverainistes kabyles, tous les kabylistes, quels qu'ils soient, on n'est plus à ce stade de constater les choses. On sait déjà, dans notre tête, on a fait déjà ce mouvement qui est de sortir de cette Algérie qui ne nous reconnaît pas. Donc, on ne peut même pas parler de... C'était le rêve de nos parents de construire une démocratie en Algérie. Ce rêve a échoué. Il faut l'accepter. Il a complètement échoué. Et aujourd'hui, cette Algérie qui ne nous reconnaît pas, nous en tant que Kabyle, qui nous combat, qui nous met nos militants dans des prisons, on a plus de 500 prisonniers d'opinion, qui brûle nos terres, je le répète, elle brûle nos terres, nous avons les preuves, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux, tu verras les vidéos, celles de 2021 sont flagrantes. Voilà, on ne reconnaît pas notre langue, il y a des gendarmes partout en Kabylie, on ne peut pas aller se recueillir sur les tombes de nos ancêtres, les gens ne peuvent pas sortir, les gens ont peur, on n'est plus, ça ne nous intéresse plus l'Algérie, c'est fini ce truc-là, nous on est sortis. Et ce qu'on propose à travers une démarche... Il y a du bruit derrière toi. Non, il n'y a pas de bruit là. Nous, ce qu'on propose à travers notre démarche indépendantiste, c'est de se prendre en charge. Nous respectons les gens à qui nous nous adressons. On s'adresse à eux en tant qu'adultes et ils feront un choix. Toi, visiblement, tu défends cette Algérie alors que tu n'y vis même pas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'y vis pas. Ça me choque. Si tu la défends, il faudrait que tu ailles te battre pour elle. Tu ailles la construire. Non, ça sera cette Algérie, elle te rejette. Tu es une Kabyle, tu resteras toujours une Kabyle. Et ça, c'est pour l'Algérie. L'Algérie déteste la Kabylie. Elle la déteste. C'est son abcès, c'est son cancer. Ça a été dit par tout le monde. Donc nous, voilà, on est responsables. On prend les choses en main. On se retire. Alors, nous classer comme le 195e problème des Kabyles, non, c'est, nous sommes la solution. Nous sommes plus la solution que le problème. Toi, tu vis à l'étranger, you're living in the States, tu me parles du problème woke, mais where are we? Tu me parles du problème de LGBTQ+, alors qu'il y a 500 prisonniers et la Kabylie qui brûle. Mais je veux dire, c'est super décalé, quoi. Avec tout le respect que je te dois, t'es extrêmement décalé. Tu me parles du film du film dont tu parlais, dont j'ai oublié le titre, mais qui est complètement... Mais les gens n'ont rien à foutre de ça. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. On est complètement dans un truc abscon. Enfin bref, donc voilà, pour revenir aux choses concrètes et sérieuses, nous proposons une solution, la solution d'indépendance. Et l'Algérie n'est pas la Kabylie, et la Kabylie n'est pas l'Algérie. L'Algérie est un pays arabe musulman. La Kabylie ne s'est jamais définie comme ça. La Kabylie n'a pas la même histoire que l'Algérie. La Kabylie n'a pas été colonisée par les Turcs. La Kabylie n'a pas été colonisée au même moment par la France que le reste de l'Algérie. L'Algérie a été colonisée en 1830, la Kabylie, elle a été colonisée plus d'un quart de siècle plus tard, et à la tête des forces kabyles qui défendaient la Kabylie était une femme qui s'appelait Fadma Nsoumal, d'accord, qui défendait, et qu'elle s'est battue pour la Kabylie et non pas pour l'Algérie. Je ne sais même pas si l'Algérie existait en tant que concept à ce moment-là, donc Fadma Nsoumal s'est battue pour la Kabylie.
Et nous, cette histoire de cabinet indépendante qui est éternelle, qu'on a inscrite dans, nous, dans notre ADN, mais visiblement, toi, tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Moi, je ne parle pas en ton nom. D'ailleurs, je me fais un plaisir de ne pas parler au nom de qui que ce soit. Je parle en mon nom, d'accord. Et tu parles aussi au nom de l'histoire. De la cabine aussi. Je ne parle au nom de personne. Je parle en mon nom. Je m'appelle Mourad. Je parle en mon nom. Et je veux bien. Tu parles au nom du Macron. Assumer la contradiction. Mais je veux dire, il ne faut pas que ce soit trop décalé. Je veux dire, parler aux Algériens de LGBT plus aujourd'hui, vu les problèmes qu'ils ont, ça me paraît vraiment, moi je trouve qu'on est vraiment super décalé, quoi. On est super, super décalé. Ok. Peu importe. Ok. Voilà. Donc, moi encore une fois, chaque région qui veut son indépendance, je suis pour en Algérie. Mais je dis et je le redis, l'Algérien, pour l'instant, est au bas des pâquerettes, mentalement. L'Algérien ne sait pas d'où il vient, qui il est. L'Algérien s'identifie à des peuplades du Moyen-Orient. L'Algérien, on lui a mis un costume qui n'est pas le sien. L'Algérien, on lui dit que sa langue est l'arabe et qu'il doit épouser la religion qui est l'islam. Sinon, il n'est plus algérien. C'est ça le problème. Comment veux-tu ? D'abord, moi, ce que je dis, je le redis, il faut d'abord que les Kabyles soient d'accord entre eux, parce que les fervents personnages, entre guillemets, les KDS, déjà, il faut trouver une solution avec ces KDS. Et tu as, qui sont contre le MAC et avec le pouvoir. Et ils sont Kabyles. Ils sont vraiment Kabyles. En plus, tu parles du vote. Quel vote ? Les Kabyles sont partout en Algérie. Il y a une très très forte communauté à l'ouest de Kabyles, à l'est de Kabyles. Ceux qui vont voter, ça, à Tialet par exemple. Est-ce qu'il faut comment prouver ses origines kabyles? Est-ce qu'il y a des documents qui prouvent chaque kabyle sait qu'il est kabyle ou pas? Mais n'importe qui peut voter, alors c'est insensé ce que chaque tu demandes. Non, nous c'est très facile de prouver quelqu'un est kabyle ou pas. On est organisé structurellement depuis des millénaires sous la forme de notre république villageoise. Chaque république villageoise a un haj. Et chacun a la descendance de sa hache, il n'y a aucun problème pour trouver si on est kabyle ou pas. Et chaque kabyle sait qu'il est kabyle ou pas. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. On a le. Ben, je ne sais pas, tout est facile. Quand on t'entend, tout est facile. Mais non, tout n'est pas facile. Non. Dis-les avec. Les KDS, moi, j'accepte que des kabyles veuillent rester dans l'Algérie. C'est normal. Moi, j'accepte qu'il y ait des gens qui pensent que l'Algérie est un paradis pour eux. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils s'exilent à l'étranger, mais ils trouvent que l'Algérie est parfaite, ils veulent que la Kabylie reste sous domination algérienne, et les types vont quand même vivre aux États-Unis ou ailleurs. Sous domination algérienne, je te signale qu'il y a énormément de Kabylie. Sous colonisation algérienne. Qui sont dans l'armée, des grades élevés, qui ont il faut qu'il y a qui vivent. Pratiquement, la majorité de ceux qui ont pris les services secrets sans kabyle. Il y a eu des premiers ministres kabyles. Ils sont en prison, tous les deux. Ah oui, mais parce que c'est le mauvais camp. Ils ont choisi le mauvais camp, c'est tout. Mais sinon, il y a d'autres kabyles. Quand tu es kabyle, tu finis forcément en prison. Oui, c'est une leçon pour les KDS. Les KDS finiraient soit en prison, soit rejeté comme une chaussette, une vieille chaussette. Pas que le pouvoir algérien ne vous. Pas que les KDS, hein. Toute personne qui travaille avec ce pouvoir, ça veut dire qu'il se laisse embobiner, moyennant finance, et qui marche avec ce pouvoir, il finira toujours par le regretter et amèrement. C'est certain. Ce pouvoir est un pouvoir criminel, mafieux, qui ne recule devant rien pour rester au pouvoir. Et ils utilisent les cons, les imbéciles, les lâches, ceux qui n'ont aucune personnalité. Voilà. Akarim Azoul.
Zulfi Lawen, bonsoir à tous. Donc, Garmian, ceux qui nous écoutent, donc à vous deux, Mourad, Liam et Djilou, et donc Punaise, la pauvre, je la vois, elle est... c'est dommage, voilà, elle est un peu souffrante. Moi, j'interviens juste pour corriger, on prête des propos que j'ai à aucun moment prononcés hier, et Mourad... Même toi, Djilou, je suis surpris que vous corrigiez pas ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit, c'est 97% des Kabyles ont une envie de s'en sortir du reste de l'Algérie. Et ma maître copine, Justine, je l'ai répété, vous l'avez répété, désolé de vous tutoyer. Vous l'avez répété 3-4 fois, Karim, 90% vont voter ou... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit 97%, 99% des Kabyles ont envie de sortir du règne algérien sous forme d'une autonomie, d'une fédération, d'une une quelconque forme qui nous donne une forme de liberté. Donc, à aucun moment, j'ai... Au contraire, si j'avais dit tout le mot 80... Excuse-nous, on ne t'a pas corrigé. Oui. Mais il y avait tellement de choses à dire et notre traductrice ici présente. Non, mais elle est, non, c'est qu'elle m'a cité 4-5 fois. Elle m'a cité 4-5 fois. C'est je dirais que c'est de la mauvaise foi, surtout que j'étais absent. Que ce soit dit en ma présence, pas de problème, un tnaqchou. Et puis, il y a une forme de... Il faut peut-être écouter un peu Jean Gabin qui disait que voilà, à 30, je savais, à 40, je sais, etc. Il faut se dire parfois qu'à 60, on arrive à une seule certitude, c'est qu'on ne sait rien. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je suis dans ces états-là et je suis arrivé à cette sagesse où s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que je ne sais rien. Mais 90% des gens vont voter MAC. Et j'étais contredit corps et âme hier, on était 3-3, tu étais seul. Et là, madame vient et elle me dit le Hakarim. Je trouve que c'est de... Il faut peut-être réécouter l'émission d'hier et vous allez comprendre que le MAC aurait... Je lui ai même dit que le MAC ramasserait peut-être au max un 40-50% et que les Kabyles en général... Hier, j'ai réécouté la dernière interview de Idir Layahmo, notre ambassadeur culturel, c'était le monsieur d'ailleurs, qui ne se mêlait pas trop de politique, qui était toujours correct envers tout le monde, qui se sentait algérien, qui se sentait marocain, et qui était même quelque part occidental, un peu comme... Mouloud Mamri, c'était des Shahab Ben Yani, on en a parlé d'ailleurs dernièrement, c'est un peu des ambassadeurs tranquilles ou qui ont une certaine diplomatie pour dire un peu leurs affaires, leurs choses, sans... J'ai Mourad, tu es en train de casser des murs là, attends. Mourad, tu fais du bruit. Bon, Malich, donc Yedir, je l'ai réécouté hier, et ce qu'il disait à la fin de ses... Enfin, c'est peut-être l'une des dernières interviews. Il disait, écoutez, en 62, on s'est fait avoir. En 65, on s'est fait avoir. En 80, on s'est fait tabasser. En 2001, on s'est fait tuer. Et chaque fois qu'il y a un problème, le bouc émissaire de l'Algérie, le MAC, c'est des terroristes, ou bien c'est le Maroc. C'est-à-dire, il y a ce yo-yo qui joue. C'est soit le Maroc, c'est soit les Kabyles. Et les Kabyles ont tous en tête une idée, il y a un Rab qui fait un tarj minhum. Pas forcément pas le peuple algérien, parce qu'il faut le reconnaître, c'est que les Kabyles, ils gagnent leur vie plutôt ailleurs. C'est-à-dire, même Farhad Mahni, il voulait lire le Shivhan, le Koriwar, le Shivhan Mzundlaz. Tu connais la chanson Morad. Absolument. Tu connais, moi je connais les mots par cœur. Donc les Kabyles, justement, on en a même parlé la dernière fois du tourisme, etc. Les Kabyles sont obligés de sortir de leur montagne parce que la montagne ne nourrit pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, je suis. C'est ça. Je, je,
On peut, comment dire, être subjugué par un rêve du Mac, effectivement, qui est beau dans l'idéal, mais pratiquement, effectivement, qui pose problème. Mais moi, dire 90% des Kabyles Mac, enfin, je trouve que c'est un peu... voilà, je veux juste rectifier cette contre-vérité, c'est tout. J'ai fini. Merci, merci Karim. Je voulais juste dire quelque chose. Le Mac ne se présente à aucune élection, ni présidentielle, ni locale, ni quoi que ce soit. Le Mac propose un référendum. Voilà. Le Mac insiste pour avoir un référendum. Et des référendums, Maggie, c'est oui ou non. C'est oui, non, un référendum. Après que le Mac il est 1%, mais qu'on obtienne l'indépendance, moi, ça ne me dérange pas. On ferait un référendum, le Mac va le perdre. Avec les termes du Mac, avec les alliances nébuleuses du Mac, on va perdre le référendum. Maintenant, c'est ça la conclusion qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce que le Mac ensuite se retourne un peu vers sa diaspora, vers une forme d'autosuffisance, tendre la main à nos amis, enfin, même pas seulement amis, on est tous des Algériens, jusqu'à preuve du contraire, à nos compatriotes algériens, etc., pour trouver une forme de je dirais pas séparation totale. Non, on peut pas, c'est pas possible. Il y a des mariages, il y a des... c'est qui est Constantinois ou qui est de Fort National ou de Briani ou de Ouaran, etc. On est entremêlés. C'est un peu le même problème qu'on a avec le Maroc Msakin, où Badjaouad, sans pitié, ils ont fermé les frontières, ou la même Khouatetnetanita, Tunis. L'idéal, d'ailleurs, j'admire l'idée de Saïd Saadi qui a dit, en réponse au Mac, c'est de dire qu'au lieu de chercher à se cloîtrer dans la Kabylie, il faudrait essayer de amaziriser le reste du Maghreb et créer un Maghreb fort, sans frontières, sans rien du tout, parce qu'au fond, on est tous, on respire de la même manière, on souffre de la même manière, on rit de la même manière, on est joyeux de la même manière, on est triste de la même manière. Quand on est triste, ils sont tristes. Quand ils sont tristes, on est triste. Quand ils sont joyeux, on est joyeux. Je ne sais pas, le Maroc qui arrive à la demi-finale, bon, ça, c'est plus un petit symbole de le football maintenant, Farhanaga, ou qu'il dit, je sais pas, la Coupe arabe de Doha, etc., Farahou, le Mgharba, etc. En bas d'un djinn, je vais prendre un petit, je sais pas, désolé pour le terme, un trou du je sais pas quoi, et je vais le considérer, je vais diviser là-dedans. Déjà, c'est comme si c'était pas assez divisé. Ce que voilà, ce que je veux dire, c'est que. Tellement que Karim. Voilà, moi, écoute. Non, c'est qu'Aqveli suivra. Aqveli suivra. Il veut une forme d'expression. Foutez-moi la paix. Ne vous occupez pas de moi. Voyez le problème de l'eau, par exemple. Il existe à travers toute l'Algérie. Eh bien, en Kabylie, ils se sont arrangés. Ils ramènent des foreuses. Une fore, et ils sortent de l'eau du sous-sol. Ils branchent ça sur les lignes publiques et il y a de l'eau. C'est-à-dire, il est un peu autonome. Laissez-le être autonome. Il y a l'immigration, si elle fournit, etc. Khalioni naïch. Kima yqoul Djilou, par exemple, c'est un peu le même problème vis-à-vis de l'islam. Aïchou l'islam, comme Allah y'aounkoum, c'est-à-dire, rouhou t'salli, rouhou. Mais khalioni naïchou yadin rabkoum. Ma djish dir li qanoun. ما نجيبش الدواء من فرنسا ولا يبعثوه ولا انا ندبر راسي من نجيبه من فرنسا ولا اون افي انفوايي دي ميديكامون ايتترا ايتترا فوتي مو لا بي مي سي ني با اوسي راديكال كو كونستروير دي فرونتيير دي مور كو لو ماك لو فودري اي دونك جو ريفيان ان بو ا مون ايدي دو ديبار جي جامي دي كو لو ماك ديزولي فوالا جي فيني. Liam, si tu veux intervenir. Nora l'a dit. Bon, vas-y, Mourad. Merci, Djilou. Non, moi, ce que je dis, bien sûr, vive la liberté. Vive la liberté, chacun de choisir.
si tu veux, le rêve d'un Maghreb berbère, etc. C'était un rêve qui a existé dans les années 80. Mais qui sommes-nous pour aller expliquer, pour aller dire aux Libyens, berbères libyens, comment ils vont s'organiser, pour aller dire aux Marocains comment ils vont s'organiser, pour aller dire, moi je veux bien, mais c'est quoi la solution? Non. Moi je pense que, si tu veux, occupons-nous déjà de créer une nation berbère qui est kabyle. Si la nation kabyle, déjà, elle marche, si les petites nations marchent au mieux, tu regardes toutes les petites nations, tu regardes la Suisse, tu regardes la Belgique, tu regardes Luxembourg, tu regardes Singapour, tu regardes toutes les petites nations, elles marchent beaucoup mieux. Quand plus elles sont petites, mieux elles marchent. Bon, après, moi, si tu veux, je veux que toute la planète marche bien. Mais est-ce que j'ai la force que toute la planète marche bien, au-delà des Berbères? Non, je n'ai pas les moyens d'aller m'occuper de ça. L'idée, c'est de s'occuper justement de son territoire à soi. Les Kabyles, tu dis, s'ils ont une différence, s'ils se sentent profondément Kabyles, je veux dire, ils n'ont pas à se nier, se dire algérien aujourd'hui en tant que Kabyle, c'est un viol de son identité. L'Algérie est un pays arabe. Tu es un pays arabo-islamique. Te dire aujourd'hui en tant que Kabyle, je suis algérien, c'est un viol à ton identité, à l'honneur de tes ancêtres, c'est un viol. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas me dire aujourd'hui, moi, je ne suis que Kabyle. Après, j'ai des papiers pour circuler d'un pays à l'autre, mais je ne suis que Kabyle. Je ne suis rien d'autre. Et je ne suis surtout pas algérien, parce que l'Algérie ne me reconnaît pas. Pourquoi moi je vais aller reconnaître l'Algérie? L'Algérie ne me reconnaît pas. Sur aucun document officiel, le mot Kabyle apparaît. Sur aucun document, machin, pourquoi moi je vais aller reconnaître quelqu'un qui ne me reconnaît pas? Je suis un chien? Non, non. Moi, j'ai un minimum d'honneur, de respect de ma personne, de mes ancêtres, donc je me respecte, je suis Kabyle, point à la ligne. Terminé. Même, moi, je dirais la même chose. Moi, je ne suis pas reconnu par ce pouvoir dans mon pays en tant qu'athée, par exemple. Donc, moi, je ne me reconnais pas à travers ce gouvernement. Mais l'Algérie est la mienne. L'Algérie m'appartient. Ce n'est pas parce Oui. qu'ils me l'ont volée que je vais la laisser partir. Non, je revendique ce droit d'être algérien. Et ce n'est pas à ce pouvoir mafieux criminel qui va me dire que je ne suis pas algérien parce que je ne suis pas musulman. C'est ça, c'est ça. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Les plus méprisés, c'est les Algériens, justement. Pire encore, c'est ce qu'ils appellent là les Bousbaïs, etc. C'est les plus méprisés, mine de rien. Mais C'est ceux comment? qui se mettent comme paillassons pour les soutenir, mine de rien. Allez, on accueille un revenant aussi. Bonsoir, Saïd, Gilles. Bonsoir. Aslama Saïd, ça fait Bonsoir, Gilles. plaisir de te Bonsoir. retrouver. Moi aussi. Aslama Moi Saïd, aussi. marhaba Saha Karim, iska Saïd. Brad et la dame dont j'ai pas catché le nom. Je crois que c'est Liam, comme le nom qui est affiché, mais c'est Non, pas le. Nora l'a dit, c'est ça. Nora, Nora, oui, voilà, c'est ça. Alors donc, bonjour tout le monde. Bon, je vous suis attentivement. Et c'est vrai que c'est compliqué le sujet. J'accepte tout, j'accepte la complexité du sujet, j'accepte qu'il y ait des gens qui ne soient pas, qui sont pas, le fait qu'on ne soit pas d'accord avec le projet du MAC, c'est tout à fait normal. En Kabylie, il y a des gens qui vont se dire, il n'y a pas de solution. Avec l'Algérie telle qu'elle est construite, nous n'avons pas de place, on est exclu, on est traité comme de la merde. Et nous devons militer pour notre propre pays. Il y en a d'autres qui disent non. Nos parents ont libéré le pays. On n'a pas le droit de laisser 90% du territoire à des moins que rien. Finalement, ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est des moins que rien. Et c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. La complication, Wallahi, c'est que, enfin, c'est pas la complication. Ce qu'on a, je refuse. Hein. Je refuse une chose. Je refuse l'hostilité contre le MAC. Vraiment, je la refuse. Je trouve qu'elle est malhonnête. Voilà.
les gens qui sont hostiles au Mac, à l'idée du Mac, l'hostilité, bien sûr, l'hostilité. Il y a le fait de ne pas être d'accord et argumenter, on n'est pas d'accord et tout ça, tout va bien. Mais l'hostilité, ça n'a pas de sens. Parce qu'effectivement, il y a de quoi. Il y a absolument de quoi justifier un mouvement comme le Mac, c'est-à-dire l'indépendance de la Kabylie. Il y a de quoi. Salah al-Jib al-Bled contre les Kabyles. Il a Yomina, la détestation du Kabyle, elle est ancrée dans les régions non Kabyles. Elle est ancrée dans la, elle est dans l'air, elle est dans la culture, la détestation du Kabyle. On la voit un peu partout. Et c'est tout à fait normal que il trouve un mouvement, il sort un mouvement, il parle. Mais de Corona, il n'y a pas de problème de Corona. Ça, allons nous rendre dans ce cas-là. Mais si tu veux qu'aller ou tu veux aller, on va être avec. Il faut être cohérent. Si les Algériens n'aiment pas un mouvement indépendantiste kabyle, il faut qu'ils lancent des messages d'amour à la Kabylie. Qu'al, qu'adou maana, n'habboukoum, n'hablabikoum walou, n'sirboukoum, on a besoin de vous. Voilà, hadi, il y a la cohérence. Je suis désolé, vous n'êtes pas capable. Dans ce cas-là, il faut accepter la réaction kabyle qui dit « Vous nous m'attabounâche, et bien, nous allons. » Et c'est ce qui a dit al-Hariqa, c'est-à-dire le divorce. Quoi. Le divorce, c'est ça. On ne peut pas obliger. C'est-à-dire une nation, c'est un vouloir de vivre ensemble. Si on ne peut pas vivre ensemble, on ne se sépare. C'est le principe. Maintenant, qui est le responsable? Hakaya, c'est la responsabilité. Wallahi, la responsabilité. Et c'est là, Anaya, où je diverge un petit peu. J'imagine que la source de la divergence, bin ou bin sahab al-mak, c'est ça. C'est-à-dire que quand on kinhadidou la responsabilité, quand on détermine la responsabilité, on comprend que qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions pour aller à la solution extrême qui est l'indépendance, bien que j'accepte, Anaya, moi-même, je ne peux pas être hostile au Mak. J'ai même beaucoup de respect aux Makistes. J'ai beaucoup de respect à Farhad Mahni. J'ai énormément de respect à ce gars et à tous les Makistes. Il n'y a aucun problème. Mais je dis que peut-être que vous manquez de patience. Vous manquez de patience parce que les Kabyles, c'est des gens qui sont capables de trouver leur place, de s'imposer en Algérie comme des Algériens puissants, puissants, quoi. Et de finalement de diriger le paquebot Algérie selon l'intérêt suprême tahom homa ou tal bladga. Mais jamais oublier que nos parents sont morts, les Kabyles sont morts pour libérer tout le territoire. Je veux dire, c'est un peu bête quoi de laisser Temdraset, Janet, Béchar, Tindouf, l'Araya. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, le terme bête n'est pas adéquat. C'est-à-dire, c'est une décision, c'est pas un joueur d'échecs qui prend des décisions. C'est pas quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait, c'est vraiment quelqu'un qui est en colère, qui prend une décision pareille. Bon, par la suite, je peux me tromper moi-même. Le temps donnera raison aux maquistes. C'est possible. Ouais, je ne m'exclus pas de la possibilité. Maintenant, Anaya, je veux définir les responsables. Et une émission qui m'a dit, elle n'est pas là pour informer. Uniquement, on informe, bien sûr, si on peut. Si on a l'information, on la donne. Mais elle est là pour former. Maintenant, on est en train de former, si on peut aussi. Et la formation politique est importante. Il faut former les Algériens politiquement. Il faut faire Mohom à bien, quand ils regardent le machakil du Jazair, ils arrivent à diagnostiquer correctement, mais ils arrivent aussi à déterminer qui est le responsable pour pouvoir justement élaborer des solutions qui fédèrent tout le monde. Parce que si chacun a son diagnostic, et bien chacun a sa solution, on ne peut pas être solidaire. Même à la fin, on ne peut pas marcher sur un seul. Bon, là, je vais déterminer, je vais dire mon avis là-dessus. Ok. Bon, d'abord, le mouvement arabiste a d'ailleurs dit le Jazair, où les Mazalou Hakim il a eu mina. Et Tebboune est une incarnation parfaite de la stupidité de l'arabie islamique. Parce que Tebboune brouti comme pas possible, justement parce qu'il est animé par cette idéologie.
بومدينيست وانتوتريست عربو اسلاميست كاع خط واحد كاع خط واحد ستادير كو اون بو با ات بومدينيست سي اون اي با عربو اسلاميست باغ اكزومبل باسكو كلكان غير يخرج من العربو اسلاميست يعاود يشوف بومدين يقول لك ابابا بهذا كاع البلاد هذا تقبل البلاد مي سي دي عربو اسلاميست يحبو مدير سي دي رياليتي هادو فو بوفي لي اوبسيرفي كونستاتي لي ريغاردي لي تبون s'adresse à son peuple, si on peut dire ça, c'est un habit de langage, parce que le gars n'a pas été élu. Hein. Il faut comprendre que le gars a été placé. Mais Tebboun qui yahdar pour manipuler, hein, parce que vu que c'est des gens qui ne sont pas légitimes, qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent? Ils veulent manipuler. Et quand ils veulent manipuler, ils disent l'arabie et l'islamie. Parmi les grands arguments de Dardara à l'Atif al-Arabie et l'Islamia, le Karahiyat al-Qbaïl, parce que le Qbaïl est chère Bouchrab, le Qbaïl ils sont devenus chrétiens, le Qbaïl bouche l'islam, le Qbaïl ils sont. Vous comprenez, hein, qu'il y a un stéréotype. L'idée est le nom Kabyle algérien. Je ne dis jamais arabe, hein, parce que je suis arabe dans le Jazair. Kabyle, Chawi, Mzabi, Tergi. Et non Chawi, non Tergui, non Kabyle, non Mzabi. Voilà. Les autres de Bruxelles, comme trouvez-vous une identité, mais en comme pour le moment, parce que vous n'êtes pas arabe. Voilà. Et déjà Mazir, voilà. Mazir. Bien sûr, nous sommes tous à Mazir. Gaki Marana est à Mazir. Mais Trahel Djidjil, les gens se considèrent arabes. Je suis désolé, c'est une réalité. Quand on est à Mazir, on dit non, on est arabe. بزاف بيان سور كاين دي جون انستروي ولا باس بهم دي انديفيدواليتي اللي يعرفوا بلي هما امازيغ بصح لا ماس تاع الناس نو عرب وكي يقول لك انا عربي يل بونس او كابيل باغ اوبوزيسيون او كابيل وي لا با لونتان تيزي اوزو سيتي الكا ديجا لي زاني افون 80 تيزي اوسي سيتي اون افي نو زديموح دو تيزي اوزو اي ديو ميرسي اوجوردي جو بونس كو تيزي بيجايا سي ريغلي مي اون افي سا ا تيزي et à Béjaïa et à Boumerdès. Bouira aussi. Continue, désolé de te couper, désolé. Pas de problème. Donc, l'arabo-islamisme, comme, parce que c'était une plateforme pour construire l'Algérie politique, parce que l'Algérie, comme le politique, elle existait, le peuple, on va dire, le peuple algérien, il n'était pas structuré, il n'avait pas d'institution et tout ça, parce que le colonialisme a fait que... Mais même avant, les Turcs garonnent Nadim Babana parce qu'on était trop faibles. Dire l'Algérie n'a jamais eu la chance de vraiment de se construire. Après, une fois que Donna une guerre contre la France et qu'on a récupéré ce grand territoire qui est une merveille, c'est un joyau, tu vois. Je connais les matériaux. Il y a une participation, certainement, mais il s'est mis à dire qu'il n'y a pas de participation. Il n'y a pas de participation. والقبائل عندهم دور كبير في لا كرياسيون دو سكو اون ابل اوجوردي لالجيري دونك سي ان بو جو سي با سي اون كونتراديكسيون هيستوريك لو كانزام دوك القبائلي يفا دير انايا جو روني تو سا وندير بلاد صغير هكذايا و انكلافي اون بليس تو انا جاي فا اكسبتي سا مي بون كوم جي دي جو بو مترومبي مينون le mouvement arabo-islamique d'ailleurs les gens qui ont le Kavia qui m'a ben bella Kavi Shabra Kibir Bondien le Kavi tous ceux qui étaient au Fanan hado maldi كانوا كعب كبار كانوا يتبعوا في مصر parce que Jamal Abdel Nasser هو الكعبة الكبير اللي خدمهم كاع parce que qui a détruit l'Égypte parce que l'Égypte faut comprendre que en 1930-1940 l'Égypte avait des ingénieurs qui construisaient des ponts en béton. Dire qu'ils étaient capables de construire des ponts, et des grands ponts et tout ça. Il y a un homme, une université qui formait les ponts et chaussées. L'Ikeja Abdel Nasser, il garde l'Égypte. C'est devenu une merde. L'Égypte aujourd'hui est devenue une merde parce que c'est vraiment le résultat de ce qu'a fait Abdel Nasser. Et Abdel Nasser a créé ce qui est appelé aujourd'hui FLN. Le FLN d'aujourd'hui, c'est une merde intégrale. C'est une merde intégrale qui a abouti, à la fin, qui a abouti vers Naïma Salhi, Ben Grina,
Sridani, Tebboune, les incompétents, ou Kaabzi, un homme les deux, parce qu'avant, Tahkim Bouteflika, par exemple, Insan Khamet, qui m'a dit, Akhlaqi Khamet, mais au moins il y avait de l'intelligence, c'est-à-dire, il y avait un minimum d'intelligence, c'est ça. Mais Hadou, Madame Wal, ou Rabham, Wal, ou Hamir, c'est-à-dire, quand tu vois comment ils ont géré les dossiers les derniers temps, comment ils ont essayé de maquiller le crime Hadak contre Jamal Ben Smaïn, comment ils ont traité ma France, hein, ma d'Espagne, comment ils ont voulu wahedhom, porter le drapeau palestinien, alors que l'Arabe Gaz, c'est des sionistes affichés, assumés. Tu vois que l'Algérie est complètement isolée. Elle veut aller avec les BRICS ou les Russes parce que le Maroc est avec Israël et l'Occident. Je vois n'importe quoi. Je vois, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Ils sont complètement dans le champ. Et ils vont ruiner le pays, c'est certain. Pour moi, j'ai absolument aucun doute que le pays, s'il continue, si ça continue tel que c'est aujourd'hui, il va se désintégrer. Ça lave ça. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Ça ne peut pas continuer comme ça, hein, parce que l'Algérie de Karahou, afkar ma kan fhiyat ou gaf, gal le parcours dialo, il n'a jamais été aussi pauvre, l'Algérie. Jamais, Mskin. La misère que connaît l'Algérien d'aujourd'hui, jamais ça va être l'eau. Tout le monde regrette Bouteflika, alors que Bouteflika, c'était un massacre. Mais tout le monde regrette Bouteflika, c'est incroyable. Voilà, parce que c'est une misère absolue aujourd'hui, le Jazair. Et elle est organisée par ceux qui gouvernent. Elle est organisée, c'est-à-dire elle est organisée. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, mais là, je dirais que c'est plus de l'incompétence qu'autre chose. Ils ne savent pas gérer une épicerie. Donc, gérer un pays pour eux, c'est vraiment trop demandé. Et ce qui nous, vraiment, nous bride complètement, nous plombe, c'est vraiment la religion, l'islam. Parce que c'est la substance première qui conserve tout. Tantak, c'est-à-dire elle ne permet pas la décomposition des organismes morts. Normalement, un organisme qui est mort, il se décompose ou il donne les ressources à un organisme vivant. C'est-à-dire que même mort, on reste mort. On est là, on est mort, mais le corps est en aqaïd. Mais on est mort. L'Algérie aujourd'hui, elle est morte. Okay? Mais qu'est-ce qui permet de tahnir taha ou l'islam? Maintenant, là, ce que je recommande pour la Kabylie, sincèrement, quel est mon projet pour la Kabylie? Je respecte le MAC, j'accepte l'idée du mouvement du MAC, je suis content que ça existe, je suis content que le MAC existe. Je pense que le MAC, il joue un rôle, et le rôle Théo, il est efficace, il est important, il fait bouger les esprits, il place le débat au centre. L'Algérie est un échec. C'est Hada ou le débat? Le débat ou Hada? Asma, l'Algérie telle qu'elle est construite, telle qu'elle a été fondée en 1962, est un grand échec. Je suis désolé, mais tu peux avancer, blâme de constater l'échec de l'Algérie en 1962. Il faut refaire. La chose principale, le Harraga. Les enfants d'Algérie, au détriment de leur vie, se sauvent de ce pays. Donc c'est un échec flagrant. Le mara oulidha, il qaou le bébé miyet, ils font le truc génétique, il qaou le mara miyta, ils associent. Mara boulidha miyetin. Tu vois, et les Européens le constatent, ils voient ça. Tu vois. Maintenant, les visas sont interdits, mais ils ne donnent plus de visas, ni au Canada, ni en France. On ne donne plus de visas. On sait très bien qu'un Algérien qui voyage ne reviendra pas. On le sait. Ils ont des données, tu vois, et ce n'est pas des cons. Hein. Et donc, on ne donne plus. On sait très bien que l'Algérie est un pays qui va se décomposer bientôt. Avec l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, il a fait un article direct. Aujourd'hui, on reproche à Macron d'avoir essayé de se rapprocher de l'Algérie parce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est une poignée de losers qui est au pouvoir aujourd'hui. Il y a plein de signes comme ça. Par exemple, le fait que l'Algérie soit isolée aujourd'hui, quand tu vas te rapprocher de Poutine, ça veut dire que tu te mets à le faire. Hein. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment être con comme un Algérien, officiel algérien, comme un officiel algérien pour faire ça. Hein.
Tu brouilles avec la France, tu brouilles avec l'Espagne. Le Maroc, ton voisin, c'est un ennemi. Il a une alliance avec Israël, mais pas que. ماشي غير هو مصر السعوديه الامارات هادو كاع اللي راك تخمم نتا بليكم عربي خاطر نتا عربي اسلامي مام هما اصحاب اسرائيل ولا تركي لا تركي الدوله الاسلاميه الالجيري يشوف لا تركي يقول لك هذه هي الدوله الاسلاميه يبقى لا تركي تان بيي تري زامي افيك اسرائيل والالجيريان يعيش بهاد دي كونتراديكسيون نورمال باسكو كاع رونا دين بابانا اي نوز اون بوزيي السيرفو يا صح هادوما هاد الكعب هادوما اون فابريكي ان بوبل تاع كوا تاع كوا كي انكاباب يشوف المصلحه تاعو باسكو فينالمون سي سا سي سا سادير انا راك عايش عندك تي تورغانيز عندك اون عندك دي انستيتيسيون بوليتيك كي سون لا بور تون انتيري بور لانتيري دو بوبل حنا ولينا عندنا اون ارمي الشعب يحامي على الارمي الارمي لي لا سي ديفني ساكري الارمي لي بلو ساكري كالجيري الارمي سي بلو ساكري كو بوبل الجيري يموت الشعب وتقعد الارمي وتحيا الارمي يعني انا ولينا هكذا تشوف كيفاش العقل الجزائري يلون طربقوه نولي جوست جو دون لا سوليسيون que je vois là pour la Kabylie. Les Kabyles, c'est bien de se yaoudou choufou fait rohou. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'tahab rohouk, ma bèche, tu t'en fous des autres régions. C'est très bien. Okay? Mais il faut le faire réellement. C'est-à-dire, il faut s'occuper de la Kabylie, il faut désislamiser la Kabylie. Belhadra, tu peux désislamiser. C'est-à-dire qu'il faut agir tous les jours en disant l'islam khatar, l'islam garna, l'islam a effacé nos ancêtres, l'islam a effacé notre langue, l'islam a effacé notre culture. Il faut trop là, il faut tardem, c'est-à-dire le tissu économique tag interne, il faut être solidaire. Kabyle, mais jamais être hostile au Mac. Tu n'as aucun intérêt à être hostile au Mac. Ne sois pas hostile au Mac. Tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ne sois pas hostile. Si tu es hostile au Mac, tout simplement. Tu es un idiot. Ne sois pas hostile. Ça pourrait être aussi de du débat. Et je pense que ça se passe bien de ce côté-là. Le débat, c'est bien. Le débat, voilà, c'est bien. Non, ce n'est pas être hostile. Mais qu'est-ce qu'il y a une muscule avec le Mac, l'hostilité? Il y a des cas. Non, non, je connais. Je connais des Kabyles hostiles. Ou à la belle. Arbi Adéum, même si. Non, mais je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Ils sont contaminés par. Non, Mninji, le KDS Mninji, il est contaminé. Il y a des KDS convaincus, attention. Pas une question d'argent, d'intérêt. Il est convaincu parce qu'il est contaminé par l'islam. Il est contaminé par l'Aqliya, l'Europa ou l'islam. Il est touché. Et donc, si on veut préserver la Kabylie, d'ailleurs, par exemple, je vous donne un petit exemple. Anna Rocht, Relkema, vers les hauteurs, Yakouren, Unhabat, Adkar et tout ça. Eh bien, j'ai vu des ordures partout. Flraba. Des ordures. C'est-à-dire des gens viennent avec des camions à Ben, où ils remettent les ordures Flraba. Là où il y a les singes, il y a des singes qui se nourrissent d'ordures. Sans compter les bouteilles de bière, non? أو خلينا لي بوتال دو بيير مي نحكي على لي زورتور دي زورتور يعني واحد يبني دار يحكم كاع الزبل تاع البنيان تاعو يديه في لافوري ويرميه في لافوري اي با يفو كلي كابيل سورغانيز بور اريتي سا تو سامبلومون يفو غاردي لا كابيلي بروبر يفو غاردي لا كابيلي بيل يفو بوازي لا كابيلي الى تحرقت يفو ترافاي يفو ات سوليدار يفو نبنيو دي تيسيو ايكونوميك دو كوبيراتيف ولا جو سي با pour que la Kabylie soit forte, pour que le Kabyle soit fort, parce que le business est fort. Il faut former les Kabyles pour le business, il faut encourager le business, il ne faut pas de carreau, il ne faut pas de carreau, ok. Et je donne le même conseil aux Chawiya, aux Mzabiya, je donne le même conseil. Ne soyez pas hostiles contre vous-même. Ne soyez pas hostiles. La seule hostilité qui est permise aujourd'hui, c'est être chouakir, qui se considère chouakir, qui pense qu'ils ont un droit de vie ou de mort à l'ENA. C'est la seule hostilité qui est permise. Tout autre hostilité... Est-ce que je peux interjecter pour une seconde? Anna, je m'arrête, voilà, vous pouvez, madame. Je peux m'interjecter une petite seconde? Je suis en train d'écouter patiemment. D'abord, je voudrais réitérer, si j'ai fait une erreur, d'avoir dit ce que Karim a dit ça hier. Je pense que moi, de la façon dont j'ai compris les 90%, que ce soit pour une autodétermination, que ce soit pour le MAC,
le chiffre, je ne sais pas d'où il vient, parce que comme moi je dis, je vais en Kabylie, même si je pense que c'est quand même un petit peu, ça va quand même un peu bas quand on dit, oh ben, on ne peut pas se permettre de parler parce qu'on habite dans un autre pays. Je suis désolée, ça c'est l'argument c'est typique. On peut parler, personne nous empêche d'exprimer une opinion parce qu'on habite dans un autre pays. Et donc, si j'ai offensé Karim, c'était vraiment pas du tout dans le but. Peut-être que j'avais pas compris. Et vous étiez absent. Je suis désolée, j'ai... pas offensé, non. Vous ne m'avez pas offensé, je suis capable d'en prendre. Oui. Mais vous avez dit quelque chose de faux, c'est tout. Ok, je préfère qu'on oublie ça, on a un sujet assez important. J'ai oublié, désolé. Donc, Jill. Enfin, je voulais juste m'excuser si je n'ai pas compris, parce que moi je pense que le dialogue, c'est une chose qu'il faut bienvenue. Apprécier. Bienvenue, madame, il n'y a pas de problème. Merci. Maintenant, la chose que je voudrais interjecter aussi, par contre, comme Mourad, il a dit on va juste recenser les Kabyles dans nos villages, Terry Wentner et tout ça. Je pense que pendant la guerre d'Algérie, comme il savait que les Moudjahidines étaient dans les montagnes, il y a eu plus de 1 million de déplacés de la Kabylie. À cette époque-là, qui se sont retrouvés habiter à Alger. Alger et la population d'Alger, de Barraï, de tous ces endroits, c'est des Kabyles qui ont été stratégiquement enlevés du côté de la Kabylie. Les oliviers brûlés, enfin, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire, on peut comprendre. Le Kabyle, il est partout. D'ailleurs, l'Algérie, Ifriqiya, l'Algérie n'a jamais existé en tant que telle. Bougie était une province et y avait Bougie et il y avait Constantine. Maintenant, quand on dit les Kabyles, mais les Kabyles, ils sont partout. Que ce soit du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Maintenant, une fois qu'on a compris un petit peu ça, moi, je pense que quand on dit il faut désislamiser la Kabylie, moi, il n'y a pas un village que j'ai été voir en Kabylie qui n'a pas une ou deux mosquées. Maintenant, dire qu'il faut désislamiser les Kabyles, ça voudrait aussi dire les infantiliser, parce que moi, les Kabyles, quand on leur parle, ils sont partout, l'islam, c'est vraiment quelque chose qui leur tient au corps. C'est quelque chose. À chaque fois, d'ailleurs, c'est « Alhamdoulilah ». Quand les feux sont arrivés, là, les derniers feux à Toudja, la plupart des gens, j'étais même moi-même choquée quand j'ai regardé Berber Télévision, la plupart, ils parlaient en kabyle en disant « Tout ce que Dieu nous donne, on l'accepte ». Même moi, j'étais choquée que des gens disaient ces choses-là, alors qu'en fait, quand tu es réveillé et que tu n'es pas anesthésié, tu dois demander des comptes à ton gouvernement et dire comment ça se fait que les Canadaires ne sont pas là, comment ça se fait que les gardes forestiers ne sont pas là pour faire leur travail de déforestation, comment ça se fait qu'on n'a pas des pompiers, comment ça se fait qu'on n'a pas des routes, qu'une ambulance peut venir dans ta maison alors que tu habites au milieu de nulle part. Mais non, des dizaines, des centaines, tous les Algériens, c'est qu'est-ce que Dieu nous a donné ? On l'accepte, c'est notre destin. Donc, de vouloir dire, moi, ce gouvernement qu'on a, c'est une mafia, c'est des terroristes, on peut les appeler tout ce qu'on veut. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais de vouloir, à un point, blâmer même la liberté de conscience, moi, je pense que quand je vais en Kabylie, perso, je vais en Kabylie, ben, je vais vous dire que moi, en tant que femme, hein, parce que là, je vois beaucoup d'hommes sur ce chat, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais moi, en tant que femme, parce que ma perception, ma façon de voir les choses, elle est tout à fait différente d'un homme. Ben, moi, je vais vous dire que moi, en Kabylie, je ne me sens pas vraiment à l'aise. Parce qu'en Kabylie, moi, quand j'étais là, dernièrement, je ne peux pas aller
même à Tizi Ouzou, m'asseoir, prendre un petit café dans un café. Il n'y a que des hommes. C'est partout des hommes. Et après, vous allez dans les petits villages, Irlidjen, hein, partout. Il n'y a que des hommes, que des hommes. Les femmes, je n'ai jamais vu ça en Kabylie. La plupart des femmes sont voilées. Jeunes, vieilles, mariées, divorcées, peu importe. Par contre, quand je vais à Alger, bah écoutez, moi je me sens à l'aise dans mes baskets. Quand je vais à Oran, je peux m'asseoir dans un café, boire un café, manger une glace. Il n'y a personne qui me regarde comme si j'étais une... Et de dire que la Kabylie, tu sais, et puis en plus, je veux dire, mais la Kabylie et la mentalité, elle est dure. C'est marrant qu'on dise, que Mourad, il a dit, oh oui, la femme Mansoumer, elle a délivré. Oui, c'est vrai que la femme Mansoumer, elle a fait des batailles, d'ailleurs dans les années 1840, donc les tout débuts. C'est vrai, tout à fait. Mais moi, elle est où cette femme? Elle a disparu. Elle a disparu de l'Algérie entière, mais elle a disparu de la Kabylie. Parce que la femme Mansoumer, quand on voit ses portraits, comment les portraits, Elle n'a pas un hijab, si elle a pu être guerrière, c'est qu'elle a pu mener des hommes, c'est qu'elle a pu diriger des hommes. Ben aujourd'hui, allez, je vous défie, moi, d'aller en Kabylie, qu'une femme, vous rigolez, on est encore dans les années je ne sais pas quoi. Moi, je pense que la Kabylie, la mentalité, tu sais, les Kabyles, la première des choses qu'ils vous disent, « On connaît ce réveil, une sanif, noir ». Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, une sanif? C'est nif, c'est toujours à propos de la femme. Donc, la femme, on revient toujours au même problème. 2023, la fille, si tu sors avec un... Si jamais on te voit en train de fricoter dans une université, toi, t'es pas une fille de famille, t'es pas... Ça revient toujours la mentalité. Alors, il faut pas non plus glorifier des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'en Kabylie, c'est très dur d'être une femme. C'est très dur d'être une femme jeune, vieille, divorcée, seule. C'est pas, oh là là, on va s'émanciper. Ben moi, personnellement, il faut émanciper, il faut nettoyer les mentalités, déjà d'une part. Et la mentalité du Kabyle, je suis désolée de dire, c'est vraiment, vraiment archaïque. On est reparti pire qu'au Moyen-Âge. Donc c'est ça. Nos mères, nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles étaient au service de l'homme, à Oudakchod, fait à manger, à 15, 12, 10 gosses et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi la femme kabyle aujourd'hui? C'est quoi? Mais c'est pareil, c'est la même chose. Surtout dans les petits villages, elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle fait à manger, elle fait des enfants, et puis voilà, et le mari, et puis voilà. Et quand on va à la plage, les petites plages ici et là, et ben lui, il est avec son caleçon en train de mater peut-être sur des femmes immigrées et tout, et lui, sa femme, elle ressemble à une 404 bâchée, elle est toute en mitouflée et tout ça, et ça, c'est la journée à la plage. Non, moi, j'aime les choses qui sont véridiques, excusez-moi, moi, je suis assez passionnée quand je parle, c'est que ça me frustre beaucoup d'entendre des hommes dire « Oh, on va s'émanciper, c'est de réveiller et tout ça. Ben, » le jour qu'en Kabylie, moi, je voterai, le jour qu'en Kabylie, une femme, elle aura un droit, vous savez, elle aura un droit d'être avec sa parole et quand elle sort et qu'elle se met sur un café et qu'elle boit un café, qu'on ne dit pas « Mathieu de Lille, c'est l'Ahlel » ou « Oh, cette fille, oh, regardez-moi ça, quelle vermine, quelle mauvaise famille, elle est assise dans un café. » Non, mais ça, c'est des mentalités. Il ne faut pas tout remettre sur l'islam. C'est aussi culturel. C'est culturel et cultuel. Culturel, mentalité. Mentalité du Kabyle, pour moi, perso, hein, je ne dis pas 100%, mais la grande majorité, c'est vraiment, ils sont à 100 000 lieues sous le soleil. Par contre, comme je vous ai dit, moi, je vais à Oran. Ben, écoutez, moi, je pense que la femme, là-bas, elle a plus de liberté, hein, bien plus de liberté. Super, écoute, très bien. Voilà. Si je peux me permettre N'oubliez pas Mira Mouknach, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr. Très bien, très bien. Merci, à toi, Nora. C'est très clair. Tout à fait. Ton sentiment vis-à-vis de la Kabylie, c'est très bien. Je veux dire, si tu es très heureuse dans l'Oranie ou ailleurs, ou dans l'Algérie. Dans l'Algérie. Moi, je n'ai pas connu cette Kabylie. D'accord. Moi, je n'ai pas connu. Non, moi j'ai grandi en Kabylie, d'accord, où les femmes étaient respectées. Ah oui.
Oh, bah, c'est sûr. Les femmes. C'est sûr. J'ai grandi tu avec mes sœurs qui sont toutes les deux médecins. Mais attends, tu me laisses parler ou... Non, mais elles sont où, les moi, les femmes, elles respectaient les gens quand ils parlent. Moi, je n'étais pas interrompue. Non, écoute. Essaye d'être aussi respectueuse. Non, je suis respectueuse. Ce que je veux juste dire, c'est que Mourad, vous avez une... Moi, je respecte le moi, match. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vous vois là. Mais il ne faut pas me dire qu'un homme... Vous parlez comme un homme. Vous me dites, oh, la femme en Kabylie, elle est respectée. Moi, je suis une femme. D'accord. J'ai des tantes, j'ai des cousines, j'ai tout ça. Moi, vous savez, en Kabylie, j'ai une cousine, elle a mon âge. Hein, et ben, comme il n'y a jamais eu prétendant, il n'y a jamais eu de prétendant pour cette femme. À chaque fois qu'on est venu la chercher, c'était toujours des hommes avec des enfants, des ceci, parce qu'elle avait plus... Ben aujourd'hui, elle a 50 ans, eh ben, elle vit aux dépens de son frère. C'est tout. Il ne faut pas me dire que la Kabylie, c'est ceci, cela. Parce que sinon, si elle dévie un petit peu pour aller chercher un boulot... Bah, moi, j'en connais plein des femmes en France qui vivent aux dépens de leur frère, au UK. Oh, mais non, mais ça, c'est une question... J'en connais des centaines. Écoutez, je vais t'en en sortir. Je pense pas qu'on va... Non, là-bas... Bah, je veux dire, je pense que tu as une rancœur... Dans la balle dépend envers la Kabylie. Je la respecte, j'ai pas de problème. Je veux dire, t'as probablement un objectif qui t'a affecté quelque part sur la Kabylie. Moi, je respecte. Pas quelque part. Attends. Vous avez vos opinions. Est-ce que tu as terminé, Nora? Moi, en tant que minorité, je dirais juste une dernière parole. En tant que minorité, femme toute travaillée. Elle n'est pas respectée comme contre-travailleuse. Regardez les féminicides. En France, tu as des statistiques en Kabylie. Oui, il y a une journaliste kabyle qui a été égorgée par son mari. Hein, on l'a juste enterrée. Non, mais c'est pas une statistique. Monsieur, c'est pas une statistique. C'est une femme avec des enfants dont le mari jaloux. Les maris jaloux, ça n'existe qu'en Kabylie. Très bien. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a que les Kabyles qui sont jaloux. C'est que je veux dire qu'elle était. Écoutez, moi, je veux juste vous dire que d'abord, l'émancipation de la Kabylie, de l'Algérie, déjà arrivée déjà aux hommes, enseigner aux hommes de respecter la femme, que la femme ne vaut pas un hymen d'une virginité. D'accord, parce que moi, j'ai assisté à des mariages où la femme a un drap dehors. Non, mais vous rigolez. On est encore au Moyen-Âge. Alors, arrêtez de me parler. Moi, vous parlez du Mac toute la journée. C'est dépassé tout ça, madame. S'il vous plaît. Oui, Djilou, j'ai terminé. Je me sens exactement quand je vais à la plage de Tixirt et que je mets un maillot de bain, je me sens que j'ai tous ces hommes, toute cette meute en train de me regarder. C'est ça la Kabylie, d'accord? Donc j'aurais fini là-dessus. Déjà, travailler sur les mentalités des Kabylies. Ailleurs, on ne vous regarde pas, hommes. Madame. Dans toute l'Algérie, c'est la même chose. Écoutez, pas de souci. Les Kabyles se regardent plus qu'ailleurs et ils sont plus jaloux que les autres. Écoutez, pas de problème. Moi, là, je vais à la plage. Vous allez à la plage de Venice Beach. Vous pouvez être nu ici à Los Angeles. On n'en a rien à foutre de ce que vous faites. Vous êtes seins nus, vous êtes un bikini, un mini-kini. On n'en a rien à foutre. Vous rigolez là-bas, c'est pas possible. Vive Los Angeles. We love Los Angeles. Monsieur Mourad, travaillez sur les mentalités des hommes. Vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas voir ce que moi, je vois. D'accord? Et je vais vous laisser là-dessus, d'accord? Merci beaucoup. Enjoy your Los Angeles beach. No, I will. No problem. Okay. This is a country that I'm respecting. Nora, c'est bon. Merci. Merci. On accueille Nazim. Bonsoir. Ouf. Aslam Adilou. Ça fait très très longtemps. Ravi de passer chez toi. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Bon, juste parce que j'avais prévu autre chose. Quand on était en live, je suis revenu, j'ai vu que la thématique a changé entre-temps. Mais pour ne pas trop être trop décalé, par rapport à ce que vient de dire, je réagis par rapport à ce que vient de dire la dame qui vient de passer, par rapport à la Kabylie. Bon, au départ, j'ai entendu Saïd, j'ai entendu la dame après. Et le problème, je crois que pour les deux, et je m'excuse de faire cette critique aux deux personnes, c'est que tous les deux, dans leur explication, dans leur discussion à propos du MAC ou de la Kabylie en général, la réalité de la Kabylie, telle qu'on la connaît, c'est qu'elle joue plus. Alors, pour la dame de Kent Jos Dorka, je suis vraiment, vraiment désolé de le dire, mais toute l'Algérie,
avec ses, je ne sais plus, 53 wilayas et 2 millions de kilomètres carrés, les FIHA, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est à l'aise en bikini ou en maillot, c'est en Kabylie. Hadia, mais que je c'est impossible. Maintenant, il y a une exception, c'est Oran. Oran est une exception dans ce cas, parce que Oran a toujours eu un cachet particulier. Donc, oui, là, tu prends en considération Oran. Oui, tu peux être à l'aise à Oran plus que tu ne l'es à Tizir. Oui. Mais c'est une exception. C'est une exception, vraiment exception, t'as ça. Mais Zamak, si tu me dis que tu peux être plus à l'aise dans n'importe quelle autre ville du littoral, Hacha, Alger, plage ouest, quelques plages à Alger, ou la Lorani, ah, c'est faux, c'est pas vrai. Je suis désolé, je passe mes vacances chaque année dans la, entre la côte Bougiot, ouest Bougiot, c'est-à-dire Boulema, Toro, Tel Azfon, ou bien du côté de Tixit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les femmes nagent normalement, avec des bikinis, bien sûr, il y a avec des burkinis, bien sûr, mais tout, c'est faux. Dire un truc pareil, c'est-à-dire que tu as fait plus à l'aise que mettre un flacabili, j'arrive pas, je sais pas, c'est pas la réalité, les Algériens. Donc, ça m'a fait réagir. Maintenant, juste par rapport, je voulais faire, c'était très je remets les choses dans le contexte actuel. Vous racontez le Niger actuellement. C'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Parce que officiellement, le milieu diplomatique algérien, la solution, ce qui se passe actuellement au Niger, c'est les accords d'Alger, c'est-à-dire donner de plus en plus d'autonomie aux populations du nord du Mali, que ce soit Touareg ou là, ceux qui se disent arabes, les morts, les fameux morts. C'est que l'armée malienne ou le Mali en général a décidé de saboter l'autonomie de gestion de Touareg depuis 2014. Même s'ils ont du mal un peu à faire aboutir le projet Hadek, mais l'idée c'était un peu plus d'autonomie dans la gestion, où le pouvoir algérien il le sait. Mais ce qui est drôle, c'est que la politique qu'il a prônée pour régler le problème au Niger, il ne veut pas l'appliquer au Zaïre. C'est-à-dire, Zahir, on ne peut pas parler de... Actuellement, c'est devenu extrêmement grave de parler de revoir les collectivités locales, Zahir, ou la gestion des territoires par des régions fédérales. Ou là, j'ai toujours dit et j'ai toujours su que le meilleur découpage de Tchadem Zahir, bien sûr, c'était le congrès de la Soumam, mais c'était revenir au découpage des wilayats à la guerre d'indépendance. Et comme par hasard, c'est le découpage Hadek Manel Kawahir, pratiquement, bien qu'il soit été modifié, les régions militaires. Donc, les régions militaires gardaient Hadek découpage du congrès de la semaine, mais ils ne l'ont pas gardé pour la population. Donc, on a chauffé oublié d'une certaine manière, le gouvernement, et plutôt le système Tana, il promeut plutôt une politique d'autonomie pour le Mali, pour les populations du Mali, parce que voilà, y a des spécificités dans le nord du Mali, ils ont de l'autonomie, ou Dorka c'est en train de revenir en arrière, ou le gouvernement parce que ça va nous foutre dans la merde. Donc, c'était juste une idée. Deuxièmement, dans les deux discussions, la réalité de la société kabyle, je ne la vois pas. La société kabyle telle que je suis algérien, mais je suis kabyle, je passe beaucoup de temps en Kabylie. Ce n'est pas la société kabyle, c'est-à-dire quand on parle de désislamiser la Kabylie, j'ai du mal à imaginer ça. Mais désislamiser la Kabylie, je n'imagine pas comment ça peut être un projet, je ne sais pas, peut-être lutter contre la bigoterie religieuse, oui, lutter contre une pratique religieuse ostentatoire et exagérée, oui, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, ou là, ça n'a jamais été le cas chez nous, ou là, éradiquer l'influence de l'islam venu d'ailleurs, je suis d'accord, mais désislamiser la Kabylie, je ne sais pas. Actuellement, on peut faire dire ce qu'on veut à la Kabylie, on peut lui prêter toutes les intentions qu'on veut. Le MAC, moi, personnellement, je n'ai aucun souci, mais au contraire, je veux débattre, parce que l'idée de revoir le découpage, il est obligatoire.
obligatoire. On ne peut pas avancer avec les régions qui sont ou avec la gestion de Jacobi qui sont. C'est impossible. Mais croire que l'indépendance est une possibilité, là, pour moi, ça n'a aucun sens parce que ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été revendiqué. La plupart des Kabyles ne le veulent pas parce que aucun label homme, aucun chefna, qui m'a chefna les revendications sur le Hirak. Donc, je crois. Vérifions-le. Pardon. Vérifions-le. Si on fait un référendum, oui, on appelle pour un référendum. L'idée d'un référendum. Mais qu'on perde à 90%, on sera content. Au moins, on aura un résultat. Mais si chaque fois il a une idée, quelqu'un, on organise un référendum, à Tferaj. Donc, c'est un droit. L'autodétermination des peuples, c'est un droit. Oui, mais il faut qu'ils le veuillent. Il faut les Écossais ont voté, les Catalans ont voté, les Québécois ont voté. C'est un droit. Le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit. C'est-à-dire que si tu défends, si tu défends ton Algérie démocratique et tout, ce droit-là, pour les peuples qui occupent ce territoire, c'est un droit inaliénable. C'est très très mal passé. Au Kérahoul, le référendum, ils ont reculé l'autonomie. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Très bien, faisons ça, comme ça, toi, tu seras très content, puisque tu es contre l'indépendance, donc c'est parfait. Organisons ça, tu devrais être le premier militant du référendum. La Catalogne, il n'y a pas de référendum, mais ça s'est très très mal passé. Donc voilà, c'est la vision que j'ai. C'est que l'idée de fédéralisme ou d'une autonomisation de toute l'Algérie, oui, mais établir le fossé entre la Kabylie et les autres Algériens, ce n'est pas vrai. Qu'il y ait un racisme, je suis d'accord, un racisme d'État, mais. Un racisme d'État opportuniste, plutôt. Je dirais qu'il est opportuniste. Mais il y a de la haine anti-Kabyle. Personnellement, je trouve que les Saïd, les Algériens, l'image de Rami Chouf, c'est-à-dire, tout à l'heure, Saïd a dit que le discours arabo-islamiste, il se met pour plaire à la population. Oui, mais quand on voit le taux de participation au vote, ça ne marche pas. Donc, ça ne prend pas. Si tu joues avec les Algériens sur la fibre arabo-islamiste, mettez bloc sur le vote. Et on l'a vu dernièrement. On a vu que ça n'a rien donné. On a vu que ça n'a servi à rien. Donc, non, je suis désolé. Il ne faut pas voir les Algériens de la manière avec laquelle Doulah veut t'arrêter. Doulah veut t'arrêter, comme tu dis, Saïd. Mais ils ne sont pas à Hagdak. On peut lutter contre ça et on peut faire un contre... je ne dirais pas une contre-révolution, mais qui m'a dit contre Khotta, pour éviter ça. Donc, c'était la Kabylie. Maintenant, j'interviens aussi peut-être en retard. Il y a un gros... Je ne sais pas si je lance un deuxième sujet, mais juste une petite remarque actuellement suite à l'interdiction avec le film Barbie, il y a un problème. Bon, personnellement, je comptais aller le voir pour emmener une membre de ma famille, Bechtchoufon. Je me suis fait une idée du film et je l'ai trouvé personnellement dégueulasse. Personnellement, je ne suis pas spécialement religieux, je ne suis pas spécialement pratiquant de la religion. Pour le moment, c'est de l'ordre de la culture. Mazel, je suis pas encore allé plus loin. Mais dégueulasse dans quel sens? Comme moi, et on est nombreux puisque j'en discute régulièrement, c'est qu'on est, on est pris entre deux feux. On est pris entre un feu d'une propagande, les aides de ces dernières années, qui est une propagande dégueulasse, une propagande que d'autres, dans d'autres pays, comme moi, occidentaux, condamnent. C'est de la propagande wokiste, LGBTiste, khmaj, c'est devenu quelque chose de... C'est un harcèlement, c'est devenu un harcèlement. Ça a toujours existé, on a toujours eu des gays, des homos, ça s'est toujours passé normalement. Bon, des fois, ça ne se passe pas très bien, mais ça a toujours existé. Mais actuellement, on assiste à un flot, à une propagande intense, c'est invivable, et on ne peut plus montrer un dessin animé d'une chaîne française à nos enfants. Barbie, en quoi il est dégueulasse? Barbie, c'est pour les enfants, non? Sur 7h, une fille, elle a déclaré sa flamme à une autre fille. Je suis désolé, ça pose problème. Je ne suis pas islamiste. Je dis que ça pose problème à moi. Si j'étais... je ne suis pas athée, je me déclare pas comme athée. Il n'y a pas de fille qui s'aime. Ça n'existe pas. De dégoût en Algérie, Marrakech. Religieuse.
c'est un harcèlement. Barbie ne parle pas de ça. Barbie, c'est plus de la propagande. C'est dégueulasse. Je n'ai pas aimé. Personnellement, j'ai décidé de ne pas emmener ma fille pour le voir. Tout simplement. Donc, qu'il soit... oui, mais est-ce que le peuple a le droit de choisir, les Arabes? Toi, tu choisis non. Ça, mais pourquoi tu dis que c'est dégueulasse? Tout le monde est libre de choisir de voir ou pas voir. Pourquoi dégueulasse ou pas dégueulasse? Une autre violence. Oui, on passe d'un extrême à un autre et ça, je n'ai pas aimé. C'est pour ça que je ne suis pas pour la censure, mais il ne faut pas aussi que Borouha bizarre. Si vous voulez qu'on lutte contre la censure, on a droit le film de Ben Mehdi qui est censuré. Et ça mérite un combat, ça mérite des choses. Mais ça a été un talon qui est la Barbie, mais je ne suis pas pour Hadjou. Voilà, merci Gilo. Allez, on arrive à la fin. Merci Nassim, c'est ton avis à la coulée que je ne partage pas du tout. Alors là, je suis un peu sable. Moi, j'en ai rien à péter que Barbie ou la Cannes, il dit, mais c'est un film qui est projeté dans les salles, Saoudia, puis Mekal, Mukarrama. Je vois le film. On n'a pas le droit parce que c'est contraire aux valeurs de l'islam. C'est un peu tiré par les cheveux. Et les femmes. Les femmes, depuis la nuit des temps, s'aiment et s'embrassent entre elles, s'enlacent. Voilà. Et les hommes, c'est pareil. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Voilà. Comme référence Saoudia, je ne comprends pas. Saoudia, parce que c'est... Oui, non, Momo, oui. Stockholm. Oh, Saoudia, c'est une rêve. Tu m'as dit de voir le Saoudia, je ne comprends pas. Je crois que le Saoudia, Ahfad al-Rasoul. Momo. Je crois que Ahfad al-Rasoul a une place particulière. Hein, pour pas, moi, Saoudia, place, mais pas, je entre, me entre, pas, entre, pas dans ce débat parce que c'est autre. Non, c'est Ericsson, la Suède, Homa Lijabou, Momo, mais c'est Saoudia. Ok, allez, Karim, vas-y, dernier mot. Un dernier mot, c'est que je n'étais pas censé intervenir et Nora m'a fait appel. Okay. Donc, madame, dorénavant, il faut peut-être vérifier. Moi, quand j'interviens, cette émission, je vais la réécouter 3-4 fois pour voir où je l'ai ou là où je l'ai dit, ou là. Même Habat, non, j'oublie ça. J'ai dit bienvenue, c'est fini. Okay. Voilà. Mais on ne va pas revenir là-dessus, Karim. Ah, Karim, on ne va pas revenir là-dessus. Tu rabâches. J'ai pas fini. En bas de le Mac, j'aime bien que Mourad soit là et que moi, Farhat, c'est un ami de la famille. Je l'ai rencontré, je t'ai montré des photos. Et que le Mac... C'est quoi le bruit que j'entends? Vas-y. J'allais finir une dernière fois. C'est que moi, Farhat Mani, je me connais. Je connais ses chansons par cœur, etc. Le Mac, etc. Il a été un peu poussé par dépit. Et j'imagine qu'il est assez fort, comme dit Saïd. C'est quelqu'un quand même, c'est une présence forte. Qui va arriver à un résultat tôt ou tard, même si aujourd'hui c'est terroriste, etc. Il a l'habitude d'être, d'ailleurs, Kateb Yassine l'appelait le maquisard de la chanson. Il va maquiser encore, malheureusement. Mais ce bonhomme, c'est une perle, et Dieu merci qu'on l'a en Algérie, qu'il n'est pas ailleurs. Et on va continuer, même si on a des oppositions, on a des avis contraires. Ok, voilà, merci. Merci. Nora, vas-y. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas être rancunier. Je croyais qu'on avait enterré la hache de guerre avec les 90%. Enfin bref, mais la seule chose que je voudrais interjecter, entendre un mot dégueulasse, dire des choses comme ça. Mais ça, cet homme, je ne sais plus son nom, il représente la grande majorité des Algériens en Algérie. Et ça, Jimmy et tous les invités, c'est super triste. C'est la mentalité de l'Algérien en Algérie. La plupart, c'est judgmental.
juger les gens toute la journée. Toute la journée. Et c'est pas le ramadan. Elle est ceci. Elle a un tatouage. Elle a ceci. Elle a cela. Judgmental. C'est tout. Cette société, elle est schizophrénique. Il faudrait vraiment beaucoup de travail pour la remettre. Absolument. C'est pour ça que moi, ça me fait marrer quand Mourad y compare. Il dit, oh oui, mais l'Écosse, c'est ceci. Pas comparer l'Algérie avec l'Écosse, avec la Catalane et tout ça. Allez nettoyer les mentalités des gens. Un gars qui vient vous dire, j'ai pas emmené ma fille parce que ce film, elle est dégueulasse. Vous savez, moi, j'ai des amis qui sont lesbiennes, qui sont gays. C'est des gens merveilleux, qui sont juste comme toi et moi. Ils ont 21 chromosomes et il faut les respecter. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est pour tout âge et c'est pour deux chiens, deux chiennes, deux femmes, deux hommes. L'amour, c'est quelque chose qu'en Algérie, on ne connaît pas. Il n'y a pas de l'amour, il y a du jugement dans ce pays. Point par. Merci, Djilou. Merci. Merci encore une fois. Merci à bonne, toi. Bonne soirée. Merci. Tu as parlé des féminicides, je vais en parler après. Merci. Mourad, vas-y. Oui, voilà. Écoute, moi, je vais être assez concis. Bon, déjà, je voulais dire que l'indépendance de la Kabylie, il ne faut pas voir ça comme un problème, il faut le voir comme une solution. Ensuite, sur la haine de la Kabylie, bon, il y a des Kabyles qui ont cette haine de la Kabylie. C'est ce qu'on appelle, si tu veux, un espèce de phénomène de Stockholm. C'est une haine intégrée une fois qu'on se délocalise. Moi, voilà, je pense à nos héroïnes qui s'appellent Miram Pnash, qui s'appellent Camilla Nightseed, qui s'appellent Wafia, qui s'appellent Wissam Sifwan. Je pense à plein d'autres. Voilà, je pourrais citer Yasmina Obouzar, je pourrais citer plein d'autres. Voilà, ce sont des femmes kabyles qui se battent pour une Kabylie, qui se battent pour une Kabylie libre, qui se battent pour les valeurs kabyles. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas les valeurs kabyles, je n'ai pas de souci avec ça et je respecte tout à fait. Mais qu'on ne vienne pas, je veux dire, de from California, come and lecture us here. Et me dire que comparer la Kabylie, non, la Kabylie, elle est sous occupation algérienne, coloniale, arabo-islamique. Les Kabyles ont le droit de réclamer leur indépendance. C'est un droit inaliénable, comme les Écossais. Les Écossais ont le droit aussi de réclamer leur indépendance. Les Catalans aussi. Les Sud-Soudanais l'ont réclamé, ils l'ont eu. Voilà, je vois pas. Les prisonniers aussi. Okay. Moi, je suis pas un docteur bon. Mentalité. Je vais pas venir. Moi, j'ai vécu au UK, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada. Je vais pas aller expliquer aux gens comment ils vont vivre. Il faut respecter les États tels qu'ils sont. Maintenant, je prends note que effectivement le monde kabyle est effectivement un monde méditerranéen avec effectivement un genre ressent peut-être une certaine soumission, une certaine oppression, c'est noté. Sur la religion, je signale qu'il y a 40 églises kabyles qui sont fermées. C'est seulement en Kabylie que les églises sont fermées. Pourquoi ces églises sont fermées? Parce qu'on y prie en kabyle. Voilà, j'ai la liste si ça intéresse des gens, mais... enfin, je suis assez déçu. Les prisonniers, allez, merci à vous tous. Sur le constat, sur l'islam, le truc. Ensuite, je voulais répondre aussi sur le fait que la Kabylie n'est pas une région qui est petite ou coincée quelque part. Nous avons 300 km de mer, nous avons de l'eau, ce qui est une chose très, très précieuse. Et on peut avoir notre indépendance. Chaque Kabyle a le droit de choisir de rester dans l'Algérie ou d'en sortir. Ça, c'est un droit qui vous est inaliénable. C'est le droit international est basé là-dessus, sur le droit des peuples à s'autogouverner. Vous avez ce droit. Ok. C'est merci beaucoup. Nos prisonniers politiques, les 500 prisonniers politiques. Enfin, visiblement, madame, c'est bon, c'est ni bon. Aux prisonniers politiques, ni aux incendies, ni aux trucs. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Wesh nous. Wesh nous, les amis. On termine, frère. Demain, il est 20h.
les deux discours, la réalité تاع لا كابيلي ما نشوفوهاش هذا ما كان ما تشوفهاش انت ما تشوفهاش انت انت ما تشوفهاش c'est un droit انا عايش فيها je suis là bas à l'heure d'art donc c'est c'est chacun كيفاش c'est le cerveau c'est le cerveau اللي يشوف c'est le cerveau اللي يشوف ماشي العينين donc voilà allez merci beaucoup تعرف لا معليش دخل بيا Non, non, mais c'est ton droit de penser comme ça. Toi, tu penses que c'est ça. C'est ton droit. Tout le monde a repris la parole. 5 minutes, sauf moi. Et j'ai terminé avec toi. Je suis j'aime pas ça. Bon, allez, merci. Hein. Comme ça. Je n'aime pas. Tout le monde a fait si, sauf moi. Sauf moi. Alors qu'il venait de parler. Qu'il me n'avait. Alors, liste des féminicides 2022. Dans la Sarif, le Jazair. Le 3 janvier 2022, à Oum El Bouhari, Hafida Mansouri, la trentaine, assassinée par son voisin. Elle avait refusé sa proposition de mariage. Il l'a tuée, puis a brûlé et enterré son cadavre pour se venger. 5 janvier 2022, à Bouira, Louisa Hamadesh, 65 ans, assassinée par son fils. Elle était mère de 5 enfants. 13 janvier 2022, à Blida, Fatiha Boumerzak. Assassiné par son fils, qui l'a frappé puis étranglé. Il était violent avec elle depuis des années. Elle était enseignante retraitée de langue française au collège Mahiddin Derbel. 16 janvier 2022, à Annaba. On a fait le mois de janvier, mais elle date à 2022. Nom et prénom inconnu, 65 ans, assassiné par son conjoint, qui l'a frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête. 6 février 2022, à Tlemcen. Fatima Rahmani, 34 ans, assassinée par son conjoint, qui l'a frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête avec un porte-manteau. Elle était enseignante de langue arabe au lycée Bouhayrat Karar et enceinte. Le 13 février 2022, à Boumerdès, Comment on peut faire ça? 13 février 2022 à Boumerdès, Keltoum Rekhrila, 33 ans, assassiné par son ex-conjoint qui l'a frappé et poignardé devant deux de ses enfants. Il a menacé et l'a harcelé depuis des années. Il avait déjà tenté de l'assassiner avant et était très violent avec elle. Elle était mère de 3 enfants. 24 février 2022, Sidi Blabès, nom et prénom inconnu, 22 ans, assassiné par son conjoint, qui l'a poignardé à plusieurs reprises. Elle était mère d'un enfant. Le 24 février 2022, Oum El Bouhari, nom et prénom inconnu, 40 ans, assassiné par son neveu, qui l'a poignardé. 1er mars 2022, à Mascara, Bouroud Roufaïda, 9 ans, assassiné par un voisin qui lui a arraché ses boucles d'oreilles avant de l'étouffer. Enfanticide. Le 2 mars 2022, à Oran, nom prénom inconnu, 30 ans, assassiné par son ex-conjoint, elle était mère de 4 enfants. Le 4 mars 2022, à Sogaras, nom et prénom inconnu, 19 ans, assassiné par ses frères et sa mère qui l'ont étouffé avec un oreiller après qu'ils aient découvert qu'elle avait une relation amoureuse avec un homme. Le 26 mars 2022, à Oran, Nora, 33 ans, assassiné par son copain. Qu'il l'a poignardé et caché le cadavre dans du ciment. 16 avril 2022 à Elouad, la trentaine assassinée par son conjoint qui l'a brûlé vive devant deux de ses enfants. Elle était mère de 4 enfants. Le 22 avril 2022 à Tougourt, Khadija Abada, septuagénaire, retraitée du secteur de la santé où elle travaillait comme femme de ménage, a été assassinée par son conjoint qui l'a frappé avec une bouteille de gaz. Elle était mère de 4 enfants. 30 avril 2022 à Sidi Blabès. Khadija, 39 ans, assassinée par son conjoint qui l'a égorgé devant ses 2 enfants. Il a également tenté de tuer la mère de Khadija avant de prendre la fuite. Il a été rattrapé 2 jours après par la police. Il l'a violenté durant des années. 25 avril 2022 à Indeflam, nom et prénom inconnu, 71 ans, assassiné par un homme qui a volé ses bijoux. Il a dégoûté et tué.
le 9 mai 2022 à Alger, Hiba Mohamdi, 28 ans, a subi des coups et blessures sur plusieurs parties du corps. Elle était avocate diplômée de l'université d'Oran. 13 mai 2022 à Alger, Amin Aftan, 29 ans, assassinée par son frère qui l'a poignardé. 18 mai 2022 à Tlemcen, Marwa Boukhari, 18 ans, assassinée par son père qui l'avait asséné de coups sur la tête. Elle était lycéenne. 19 mai 2022 à Saïda, nom prénom inconnu, 20 ans, assassinée par un homme de son entourage. Il l'a poignardé à plusieurs reprises. Elle était mère. Le 22 mai 2022 à Biskra, nom et prénom inconnu, 37 ans, assassinée par son conjoint qui l'a étranglée. Elle était enceinte et mère de 3 enfants. Le 6 juin 2022 à Annaba, Imane Mansari, assassinée par son conjoint qui l'a asséné, qui lui a asséné 19 coups de couteau. 19. Ahsebmen 1, 19. Ahseb 1, 19. Ouhoua. Yani. Ben. La liste est très longue. La liste est. Lazum Ndarbo. À Dagar 2022, Berk. Et donc, Karitha Yurthalaha, on a fait ça. Et quand vous regardez les médias algériens, est-ce qu'il y a drôle? Mais il y a drôle. Les féminicides, voilà. À comme tu veux. C'est sur toute la côte algérienne, d'est en ouest. De la Tunisie jusqu'au Maroc, sans exception, avec une forte concentration à l'est. Abdaham. من لا كابيلي ورحت العنبة en descendant. Voilà. Comment on peut tuer? Comment on peut ôter la vie? Agda. Gratuitement. Bon. C'est difficile, hein, c'est difficile. Un féminicide, c'est pas rien. Bon, allez. Donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et peut-être oui, peut-être non, rendez-vous. Et attends, on va y aller. Oui, peut-être TikTok, sinon demain, même heure, sur YouTube. Ahdar wach habbi. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Ciao.
ناشا غير ديرك تتلني.